Pour vous, nous sommes malades, dérangés, une menace intolérable pour la société. Mais en vérité, vous avez peur de nous. Alors vous nous abrutissez, vous nous enfermez. Mais la vraie prison, ce sont vos mensonges. Ils forment un mur invisible. Ce sont les chaînes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais tout ça, c'est terminé. Nous allons reconquérir notre liberté. Nous sommes nombreux, bien plus que vous ne croyez. Nous vivons parmi vous, juste sous votre nez, dans vos bureaux, dans vos quartiers, dans vos familles. Et que vous le vouliez ou non, nous allons vous ouvrir les yeux. Ensemble. Car en vérité, toi aussi, tu es l'un d'entre nous. Tu ne le sais pas encore, c'est tout. Bonsoir à tous, je sais que vous allez pas bien, j'espère que vous allez tous bien, mais en fait non, je sais que ça va pas bien. Vous avez tous entendu comme moi les annonces du président, enfin du président, on peut même pas l'appeler président ce mec. Je voulais au début baptiser ce direct retour sur les annonces du président, mais je préférais retour sur les annonces du 12 juillet parce que je peux même pas l'appeler président ce gars. C'est pas mon président en tout cas. Je sais pas ce que fait Mika, je lui ai envoyé le lien. Mika, si tu m'entends, ça se passe sur Discord, le lien. Donc rejoins-moi si tu entends, le lien est sur Discord. Je pense qu'on va rester et sur des lives et sur YouTube ce soir. Je sais que j'avais dit que je ferais plus de direct jusqu'au conseil de lecture là, mais bon, là franchement, dans les annonces du président, je m'attendais à ce qu'il rende la vaccination obligatoire pour les soignants, ça c'était prévu. Je m'attendais à ce qu'il instaure le pass sanitaire pour les cinémas, les théâtres et les restaurants, ça c'était prévu. Par contre, que l'extension du pass sanitaire soit aussi sur les centres commerciaux dès le mois d'août, ça franchement, même si je m'en doutais, je pensais que c'était pour après. Je pensais que c'était pour un peu plus tard. Tout ça en plus sous couvert de ce terrible variant Delta qui doit arriver, hein, ils nous disent. Alors, c'est exactement comme l'année dernière. En fait, on nous parle de cas. Voilà. Il y a plein de cas au variant Delta, il n'y a pas de malades. Ils sont pas malades, les gens, il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien, mais il y a plein de cas au variant Delta. Ça va péter, ouais, non, mais il faut que ça pète. Là, franchement, il faut que ça pète. C'est pas possible. Les gens vont plus pouvoir aller faire de courses, quoi. C'est-à-dire, on a rendu les gens dépendants de ce système bien comme il faut à devoir acheter dans les grandes surfaces. Et maintenant que c'est fait, maintenant que les gens sont dépendants à devoir acheter dans les grandes surfaces, on se retrouve à ne plus pouvoir y rentrer, quoi. On va plus pouvoir rentrer dans les grandes surfaces. Donc, YouTube, tiens, franchement, je vais rester sur YouTube. J'en ai rien à taper du strike. S'ils veulent striker, ils strike. Tiens, regarde, petit cadeau en bas à droite, YouTube, en bas à droite de l'écran. Et tout ce qu'on va dire ce soir, de toute façon, est information médicale vérifiée. Donc, ne venez pas me gonfler avec vos trucs de information médicale non vérifiée parce que tout ce qu'on va dire ce soir est vérifié. Par exemple, le variant Delta. On parle de sa contagiosité. Macron, il a dit tout à l'heure, il est trois fois plus contagieux. Super, un rhume, c'est super contagieux. Sauf que le variant Delta, c'est l'équivalent d'un rhume. Et là, c'est scientifiquement prouvé. Ce sont des virologues qui le disent. Ce sont les symptômes du rhume. Nez qui coule, mal à la gorge, petit mot de tête. Hop, terminé, tu rentres à la maison.
c'est fini. Tu vas le 3 jours après, tu vas mieux. Donc là, on va reconfiner, on force les gens à se faire vacciner, on va reconfiner la France pour un foutu rhume. Je veux dire, la débilité, au bout d'un moment, ça suffit. Il faut, là, je sais pas qui va faire un appel à manifester. Je trouverai celui qui fera l'appel à manifester le plus sérieux et celui qui, parce que moi, je ne sais pas organiser une manifestation. Il y a des déclarations à faire et tout, mais je pense bien et j'espère bien qu'il y a des manifestations qui vont être organisées par rapport à ça. Et je peux vous dire que cette fois-ci, j'en serai. Je serai là-bas, je serai sur le terrain, je serai sur la manifestation et je vais manifester mon désaccord de ce truc. Et j'ai bien l'intention de me prendre la tête aussi à l'entrée des commerciaux avec ceux qui veulent me forcer à être vacciné, alors qu'il est bien dit, la vaccination n'est pas obligatoire. La vaccination n'est pas obligatoire, mais on nous dit le pass sanitaire obligatoire. Mais on a fini de nous prendre pour des débiles là où j'arrive pas. C'est franchement, ça. Et en plus, vous avez entendu hein, dans les écoles à la rentrée, salut Mika, excuse-moi, dans les écoles à la rentrée, collège, lycée. Hop, on met des centres de vaccination sur place dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. À partir de 12 ans, les gosses, allez, hop, à la vaccination. Bah, Mika, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, je t'entends, Lou. Je vais me contenir. Ah, c'est chaud, là. Hein. Ça devient chaud hein, de se contenir. Dans un premier temps, bon, déjà, je l'avais annoncé, tout ça. Tout ce qu'il a dit, c'était clair et net. Ça fait plus d'une semaine que j'en parle. J'avais annoncé le fait qu'on allait en prendre plein la gueule, le fait que les non-vaccinés allaient se retrouver, eux, avec des restrictions et on allait donner davantage aux non-vaccinés, histoire de bien pousser les gens dans leur dernier retranchement, c'est-à-dire que, si tu veux, on va les amener, les pousser, tu vois, comme il dit, c'est le terme, les pousser, en fait, à aller se faire vacciner par obligation. Je viens d'avoir ma mère au téléphone qui travaille dans le milieu médical, puisqu'elle est aide à domicile, et elle était en panique, en fait. Elle m'a dit, mais je vais t'obliger, en fait. Sinon, j'ai plus de taf. Sinon, j'ai plus de. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je vais être obligé. Mais je parle. Excuse-moi, je connais au moins deux personnes qui sont dans le cas de ta mère, mais qui, eux, elles, ont décidé de quitter leur boulot si la vaccination devient obligatoire. Après, je peux comprendre que ta mère, elle n'ait pas cette option, quoi. Bah, de toute façon, ma mère, elle va faire valoir le fait qu'elle, elle a déjà eu le Covid et que, de toute façon, elle s'en bat les couilles, tu vois. Je pense qu'elle va voir avec son médecin qui. On verra, j'en sais rien. Et ma belle-sœur aussi qui travaille du coup avec ma mère aussi, pareil, dans la même truc quoi. Ils ont ratissé large. Ils n'ont pas ratissé que les médecins. Je l'avais dit qu'ils allaient ratisser beaucoup plus large que les soignants, qu'ils allaient aller aux gens qui sont proches du public. Mais proches du public, ça veut tout et rien dire en fait. Si tu veux, c'est quand ils annoncent ça, ils te disent les soignants et puis les gens qui sont proches du public. Mais proches du public, quasiment 75% des métiers en France sont proches du public. Ça devient en fait quasiment la vaccination obligatoire pour l'entièreté de la population, par dérogation en fait, par dérogation. Il est hors de question que je m'y soumette, et encore une fois, et le truc qui m'a le plus énervé, il est très bien ton titre, parce que c'est pas un retour de discours de président, c'est un retour de discours de tortionnaire en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas une démocratie, c'est pas un président, c'est un dictateur le mec. Les enfants dans les lycées, les collèges, en fait, à la rentrée, là, je vous ai dit, je vous ai prévenu, j'ai prévenu tous les gens qui pouvaient regarder nos vidéos, nous, les comploteurs, là, les complotistes, là, vos gamins sont en danger à la rentrée, je vous le dis. Quand vous allez assister à la rentrée, allez mettre les points sur les i tout de suite avec les infirmières. Et s'ils sont pas contents, tu leur dis, écoutez, ok, vaccination, mais vous êtes totalement responsable des conséquences que ça peut engendrer. Je peux te garantir qu'ils vont hésiter à signer. Même pour vos médecins, vous dites, ok, je veux un papier signé, là, comme quoi vous vous portez à 100% garant des conséquences que ça pourra engendrer sur ma santé. Voilà, d'accord. Attends, excuse-moi, je vois un message dans le chat, c'est du bluff, no stress, pas de panique. Non, mais c'est peut-être du bluff sur le. Il a parlé de rendre la vaccination obligatoire hein, à partir de la rentrée. Il dit c'est un sujet qui est sur la table. Sur ça, c'est peut-être du bluff. Par contre, regardez comment il fonctionne à chaque fois, marche par marche. Il grimpe le truc, quoi. Et si on dit pas stop maintenant, là, si on dit pas stop tout de suite maintenant, la vaccination obligatoire, c'est bon, ils vont nous la foutre et les gens vont l'accepter. Les gens vont accepter tout simplement la vaccination obligatoire pour tous. Donc, c'est maintenant là. Et en fait, c'est des bons gros petits malins, tu vois. Parce que là, tous les gens se barrent en vacances. Tous les gens, c'est au mois d'août que les premières annonces entrent en vigueur.
pour les restaurants, pour les, et tous les gens sont en vacances. Donc, va faire des manifestations quand tous les gens sont en vacances. Déjà, ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, sur ça, ils sont bien, bien malins. C'est toujours en été. C'est toujours pendant les vacances qu'on nous passe les pires trucs. L'année dernière, c'était quoi? C'était l'avortement jusqu'à 9 mois. Boum, c'est passé en été. C'est passé tranquillement. Et pour cause psychologique ou je sais plus quoi, là, ils nous avaient sorti. Donc, franchement, là, il faut que les gens reviennent de vacances. Ceux qui sont contre la vaccination, revenez de vacances. On va se donner tous rendez-vous. Il faut que des manifestations soient organisées dans toutes les grandes villes. Et il faut que ce soit des manifestations non-stop. C'est pas on arrive à 15h, on manifeste sur le parcours et à 18h à la maison comme des bien bien en rang comme des vaches sacrées. Non, là c'est faut occuper le terrain en permanence, c'est hors de question, ça peut pas se passer comme ça. Dans les autres pays, ça se passe pas comme ça. Pourquoi chez nous on nous colle ça? On est des soumis à ce point-là pour accepter ça? Dites-moi où et quand je serai là. Il y a pas de souci, je serai là, mais moi là c'est fini, nous sommes en guerre, ouais, clairement, et c'est pas cet enfoiré qui l'annonce là, c'est nous, on le dit, nous sommes en guerre. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont sur ma chaîne, qui sont là ce soir je pense, parce que j'ai passé le message, ils sont peut-être pas tous là. Ça fait un moment que vous attendez ce moment là, les plus déterminés là, c'est maintenant qu'il va falloir se battre, physiquement s'il le faut, hein. J'en ai rien à branler. Mais pour notre bien et pour la santé de nos enfants, les plus déterminés là, qui attendent depuis 2 ans et demi, là, qui sont en train de bouillir, là, ça se passe maintenant en fait. C'est maintenant, il ne faut pas lui laisser faire une autre déclaration parce qu'on est tous morts sinon. Si la prochaine déclaration, on est tous morts. Hein. C'est clair. Là, vous êtes en moyenne 10 000 à regarder la plupart des directs sur cette chaîne en cumulant YouTube et des lives. Mika, je ne sais pas combien il en est, mais ces directs sont en moyenne pareil entre 5 000 et 10 000. Je sais qu'on partage une partie de la communauté, donc on va dire à peu près 15 000 personnes. Bah là, c'est 15 000 personnes, il faut qu'on se bouge. C'est 15 000 personnes, il faut qu'on se retrouve quelque part et on installe les camps et on bouge plus. Et on leur dit clairement, on bougera pas d'ici tant que vous aurez pas retiré ces histoires de vaccination obligatoire, tant que vous aurez pas retiré ces histoires de pass sanitaire. De toute façon, on va plus pouvoir vivre. Là, beaucoup de gens vont perdre leur boulot. S'ils sont aussi déterminés que moi à ne pas se faire vacciner, ils vont perdre leur boulot ou sinon ils vont se manger de graves sanctions. Et de toute façon, on pourra plus aller faire les courses dans les magasins. Donc je sais qu'il y a des, j'ai entendu ici et là, je sais qu'il y a des médecins qui accordent le pass sanitaire sans vaccination. Je l'ai entendu sur différentes chaînes, je sais qu'il y a des médecins qui le font. Mais ce n'est pas une solution ça. Ce n'est pas une solution déjà parce que malgré tout, ça fait grimper les chiffres de la vaccination, donc ça fait grimper le nombre de vaccinés. Et en plus, ce n'est pas une solution parce que ces médecins-là, de toute façon, si le truc devient obligatoire et donc renouvelable chaque année, et là Macron l'a dit, à la rentrée, à partir de la fin de l'année, là, il va y avoir les rappels qui arrivent pour tous les gens qui ont déjà été vaccinés. Et quand même, je veux dire, là, si on ne dit pas stop maintenant, c'est foutu. Il a dit quoi d'autre aussi? Il a dit un autre truc. Et vous savez pourquoi ils font tout ça là maintenant? Parce qu'ils savent que cet hiver, ça va être l'hécatombe. Et c'est pour ça qu'il faut vacciner un maximum de monde avant l'hiver, parce que cet hiver, ça va être l'hécatombe. Et évidemment, hein, même si une minorité de la population n'est pas vaccinée cet hiver et qu'on se retrouve avec des vaccinés qui décèdent à cause du variant Delta ou à cause de tout autre, de quoi que ce soit d'autre, eh bien, ce sera la faute des vaccinés. Donc, il faut dire stop maintenant, ça suffit là. Je vais répondre à une question dans le chat. Est-ce que c'est sûr pour les centres commerciaux? Bien sûr, écoute bien. Alors, au sujet du pass sanitaire de le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture, concrètement pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans. Il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attraction, d'un concert, un festival, être vacciné ou présenter un test négatif récent. À partir du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, les trains, les cars pour les longs trajets. Seules les personnes ayant été vaccinées ou pouvant présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pourront accéder à ces lieux. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne te résignes pas, en fait, tu n'as plus le droit en fait de bouger. Voilà, là, tu comprends ou pas le message subliminal qu'il y a derrière? C'est-à-dire que j'ai prévenu ce matin qu'on allait morfler, en fait, les réfractaires, qu'on allait morfler parce qu'on allait nous mettre tout sur le dos. C'est-à-dire qu'il l'a dit, lui, et avec ses propres mots, hein, c'est ce petit roi qui l'a dit, il est hors de question que les vaccinés aient des restrictions, on mettra des restrictions sur les non-vaccinés, en fait. C'est les non-vaccinés qui seront restreints dans leur quotidien.
Voilà, en fait. Mais ça, ça fait déjà plus d'une semaine que je le dis, en fait. Même, je crois, 2 semaines même. Je vous avais expliqué, vous m'aviez dit qu'est-ce que tu penses qu'il va annoncer. Je vous ai dit, on va tout mettre sur les non-vaccinés, en fait. Ça va être, nous, la bête noire. Et j'ai fait un live qui s'appelle « Les non-vaccinés, les Novax, c'est la bête noire du gouvernement aujourd'hui ». Puisqu'en fait, on fausse leur plan, en fait. On met le grain de sable dans l'engrenage, ce qui empêche d'autres d'aller se faire vacciner et de tomber dans le piège. Là, ce qu'il vient de faire, c'est de faire du forcing. Il fait du forcing, pourquoi ? Parce qu'il est en train de te dire, bah, si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, tu n'auras plus aucun droit, en fait. Et si tu n'es toujours pas content, on va encore resserrer la vis encore plus. D'accord ? Et ils sont bien capables, en fait, d'aller supprimer les aides sociales ou les trucs comme ça, vous inquiétez pas. Ils ont les billes. Et pour répondre à notre question, on n'est plus dans le bluff, là. On n'est plus dans un jeu, là. C'est fini, là. Ça pouvait être du bluff à un moment donné. Moi, le bluff, j'y crois plus. Hein. J'y crois plus. Hein. Il va falloir se remonter les manches et il va falloir aller chercher tous les guignols là qui ont de l'audimat maintenant sur Internet, là, sur Facebook et compagnie, qui font leur live hein, en faisant des kikoulol. Hein. On va voir s'ils ont les couilles d'aller jusqu'au bout maintenant. On va voir s'ils vont se dresser contre ce gouvernement. On va aller chercher les kikoulol. On n'en est plus à l'heure, je vous l'avais dit. Ça fait des mois qu'on le répète, on l'a tous dit. Ah, moi, je réponds juste à la question de cette semaine. C'était quoi le sujet ? C'était qu'est-ce qu'il va annoncer ? Bah, je vous avais dit. La tartine, nous, les non-vaccinés, c'est sûr. C'était sûr. Ah, mais moi, je m'y attendais, mais sur les centres de vaccination dans les écoles, ça, je l'ai appris dans l'après-midi, donc je le savais déjà. Sur les soignants, les aides à domicile, hein, les aides à domicile aussi, toutes personnes au contact de soi-disant de personnes fragiles qui normalement sont vaccinées. Bref, va chercher la cohérence là-dedans encore une fois. Eh bien, ça, on s'y attendait, mais sur les centres commerciaux, franchement, je ne m'y attendais pas. Et comme c'est passé dans le chat, même un petit Leclerc, aujourd'hui, c'est considéré comme un centre commercial. Et on nous dit, on va relancer les petits commerces. Mais OK, relançons les petits commerces, mais ce n'est pas la solution. Je veux dire, si on ne fait rien maintenant, la vaccination obligatoire pour tous passera. Parce qu'ils gravissent marche par masse. Et ils attendent de voir à chaque fois qu'ils passent une marche, de voir si c'est accepté ou pas. Et là, si on accepte ça, derrière, c'est la vaccination obligatoire pour tous. Il faut bien se le dire. Et après, ce ne sera même plus question de ne plus pouvoir circuler en train ou en bus ou en avion. Ce sera même question d'avoir un contrôle de police en bagnole ou à pied pour que les flics viennent te demander ton pass sanitaire. Si c'est la vaccination obligatoire pour tous, ce sera ça. Et puis après, derrière, on peut même extrapoler le truc à carrément, tu ne veux pas te faire vacciner ? Ok, fermeture du compte bancaire, tu veux pas te faire vacciner ? Ok, et on l'a entendu, comment il s'appelle ? Il y a Philippot qui est parti interroger, je crois que c'est Castex dans la rue. Castex, il a sorti quoi ? Eh ben, ils ont qu'à se faire vacciner. Ouais, ils ont qu'à se faire vacciner. Ouais, et on nous dit la vaccination, elle n'est pas obligatoire. Vous voyez pas là qu'on s'est foutu de nous au maximum, quoi. Au maximum, on nous a pris pour Macron lui-même qui disait je vous rassure, dans ses premiers discours, je vous rassure, la vaccination ne sera pas obligatoire. Et là, dans son dernier discours, il vient de dire quoi ? On envisage de rendre la vaccination obligatoire avant la fin de l'année. Voilà. Ça va bien plus vite que je le croyais, moi, par contre. Ça va vraiment bien plus vite que je le croyais. Et là, c'est maintenant, il faut dire stop maintenant. Parce que si on ne dit pas stop maintenant, c'est foutu, quoi. Franchement, c'est foutu. Alors, je vais vous lire la phrase qui va vous mettre tous. La phrase que je vous explique. Partout, nous aurons la même démarche, reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Vous la comprenez, cette phrase, ou pas ? Le civisme. Je veux dire, tranquillement. Ça prend tout son sens, cette phrase. Dans porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. On est dans la division, on va être sur une division, il va y avoir 2 catégories, et ça, je crois que Lou, on en avait parlé dans un live il y a même plus de 6 mois, je crois même, hein. Je ne veux pas dire de conneries, comme quoi il y aurait les vaccinés d'un côté et les non-vaccinés de l'autre. Ah ouais, mais là, il va peut-être même y avoir un confinement où c'est que les non-vaccinés qui vont être confinés. Donc, je veux dire, à la rigueur, qu'est-ce que tu en as à taper ? Tu ne peux plus sortir faire tes courses. Donc, tu n'as plus le droit de rentrer dans un magasin. Donc, allez-y, confinez. Mais il va falloir tous se rassembler, il va falloir être nombreux. C'est le nombre qui fait la force. C'est le nombre qui fait la force et c'est l'union qui fait la force. Et moi, j'attends de voir qui va lancer un appel à la manifestation, qui va organiser ça. Et je relayerai et j'irai voir toutes les chaînes avec qui je suis en contact, tous ceux qui ont des petites communautés. C'est si on arrive à faire 4 000, 5 000 personnes de plus à chaque fois et qu'à la fin, on est ne serait-ce que 50 000, ce sera déjà ça, 50 000 personnes basées dans un endroit, et on dit on bougera pas et on ira faire nos courses à côté tant que vous n'aurez pas levé ces trucs-là, ça va peut-être faire en sorte que d'autres nous rejoignent. Voilà, mais il faut faire quelque chose là, il faut faire comme d'autres, quoi. Faut quitter le pays, se foutre à l'étranger et dire je vous l'avais dit, ouais, super.
Donc, on ne peut plus aller dans les supermarchés. Bah, jusqu'en août, si tu ne trésignes pas avant là, bah, non, tu ne pourras plus accéder aux centres commerciaux ni aux centres commerciaux, en fait. De toute façon, c'est ça, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, un centre commerciaux, ça. Généralement, maintenant, les gros centres commerciaux, en fait, si tu veux, ils incluent en fait, le supermarché. Donc, tu ne pourras pas y pénétrer hein, si tu n'as pas fait ce qu'il faut. Mais manif déclaré ou pas, je m'en fous. Moi, celui qui fera un appel, qui déclare ou pas, je relayerai. J'attends que quelqu'un qui ait bien plus de portée. Par exemple, je sais pas, les Louis Fouché, les machins, là, les mecs qui ont des 100 000 personnes qui les écoutent. J'attends qu'il y en ait un qui lance un de ces trucs-là. On se rallie à ça. Après, c'est pas manif déclaré 15h, 18h. Non, c'est 15h et il n'y a pas d'heure de fin. À la fin, on rentre pas à la maison. On reste sur place, on se ravitaille. Je vais pas les attendre, moi. Moi, je vais aller les solliciter directement. Je vais pas attendre que ça se passe. Hein. Parce qu'ils sont dans la bienveillance et dans le... Tu vois, tranquillement. Non, c'est 15h. Merde. J'étais sur le téléphone en même temps. Je vais pas attendre après eux, en fait. J'ai mes convictions. Ils font partie du truc. Et ils ont des milliers de personnes, des centaines de milliers, là. Mais ils sont dans l'attente. Ils veulent faire ça par le biais de la loi. Mais la loi, ils en ont plus rien à branler, en fait. Je veux dire, putain, mais vous avez vu le discours qu'il a eu ou pas? Il en a rien à carrer, en fait, du peuple français. À quel moment ils ont demandé l'avis des gens, là? Je veux dire, regardez, est-ce que t'as regardé l'après, en fait? Quand la gonzesse de LCI, elle va vers les gens sur les terrasses, elle va voir deux jeunes, et il dit, non, moi, je le ferai pas. Elle dit, vous êtes capable de vous passer de tout ce que vous avez, là, des bars? Et oui, il dit, oui, moi, je le ferai. Ouais, c'est bien. Il dit, je trouverai toujours des bars où je suis habitué, où je pourrais passer entre les mailles du filet. Et son collègue, il a dit, il y en a marre aussi que ça vienne de là-haut et que nous, on soit jamais aussi interrogés, en fait. Parce que nous, on nous a rien demandé, en fait. On n'est pas d'accord, en fait. On n'a pas envie. Hein. C'est là. Ils sont en train de te faire croire que l'ensemble de la population est d'accord. Alors, c'est complètement faux. Et on est des millions de personnes à pas être d'accord. On est des millions à savoir, en fait, le fond du problème. Ils sont où ces gens, en fait? À un moment donné, ils sont où? Enfin, mais je vais aller casser des bouches, je vais aller casser des bouches. Je te jure, moi, je vais y aller en première ligne, ça va cartonner, hein, je le dis. Hein. Ah, mais il y a des gens qui disent, ouais, il va falloir devenir nomade. Nomade, ça va pouvoir être qu'une solution temporaire si on n'arrête pas le truc maintenant. Parce qu'après, je vous dis, le pass sanitaire, le vaccin sera obligatoire pour tous. Si on ne fait rien maintenant, il gravira la marche supplémentaire de rendre la vaccination obligatoire pour tous. Et après, même être nomade, tu passes une barrière de péage ou même sur une nationale, tu te fais arrêter, tu n'es pas vacciné, ça va devenir compliqué. Donc, il va falloir trouver une solution rapidement. Je sais pas. Les gens sont partis en vacances. Voilà, les gens. Oh bah quand même. Tu t'es fait vacciner? Bah oui, quand même, pour pouvoir partir en vacances, je me suis fait vacciner parce que quand même, on n'allait pas rester à la maison, on voulait faire des vacances. On en est là, quoi. Tu t'es fait vacciner? Bah ouais, j'avais envie de retourner au restaurant, j'avais envie de voyager, de prendre l'avion. Oh là là. Il serait temps, il y a un grand besoin, et je vais le dire honnêtement, un grand besoin du retour des gilets jaunes, en fait. Même les gilets jaunes, la dernière fois, tu croises des gilets jaunes, ils se sont fait vacciner. Tu croises des gilets jaunes, ils portent le masque alors qu'ils sont vaccinés. Je te parle des vrais gilets jaunes. Non, de la première heure, pas les tartines qui sont encore là à batifoler dans les rues, là, à marcher 45 minutes. Je te parle des vrais, des premiers, là, de ceux qui se sont barrés parce que ça partait en couille à cause de la politique, là. Non, je parle des déterminés, là, ceux qui ont été au l'acte 3, l'acte 4, qui ont tapé dans le gras, là. Ça se trouve, ils se sont fait vacciner aussi. Leur histoire, c'était on veut pas le frigo vide. Voilà, on veut pas le frigo vide et on veut du pouvoir d'achat. C'était ça leur revendication. C'était pas on va lutter contre le mondialisme et vous nous vaccinerez pas. Non, c'était ça leur revendication. Donc c'est même plus une histoire de gilets jaunes, là. C'est une histoire de Français non vaccinés. Voilà, il faut surtout pas s'endosser une étiquette de nous sommes des Français. Nous sommes des Français qui avons décidé de reconquérir notre liberté. Parce que là, on est en train de se faire piller notre liberté. Si on commence à se remettre un gilet jaune ou des trucs comme ça, c'est fini. Dans les médias, ça va être reparti. Allez, les gilets jaunes ceci, les gilets jaunes antisémites et les antivax antisémites. Ça va être reparti. Donc là, c'est nous sommes Français. Voilà, les gens, ils nous demandent, on est Français, on est pour nos libertés. Voilà, point final. On est du peuple franc, les Français, le peuple libre. Il faut taper dans le dur, là, c'est pas possible. Moi, ça me sort par les yeux. Il y a les gamins à la rentrée aussi, hein. Attends, c'est pas possible. Moi, ça passera pas, hein. Je vous le dis, moi, je vais finir en taule, j'en ai rien à branler.
Je préfère le dire. Hein. C'est, moi, je vais être violent. C'est, Mais il n'y a pas le choix. Moi, tu vas m'empêcher de rentrer dans le centre commercial pour acheter les croquettes. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Moi, le mec, il va m'empêcher de rentrer. Au bout d'un moment, il va me repousser une fois, deux fois, trois fois. À la fin, il faut que je l'aie, le sac de croquettes. Tu vois, donc à la fin, je vais lui rentrer dans le lard aussi. Et voilà, bah, ça va être pareil. Ça va être garde à vue, c'est bien et tout. Par contre, si on se pointe à 200, 300 à l'entrée d'un centre commercial et on rentre comme ça, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi, les trois pauvres agents de sécurité qui sont à l'entrée, là, qui arrivent à maîtriser une ou deux personnes? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut prendre un endroit dans une grande ville. Dans toutes les grandes villes, il faut que les gens prennent des endroits, qu'il y ait un centre commercial à côté. Et à chaque fois qu'on va faire les courses, on y va tous ensemble. Allez, hop. Et comme ça, c'est là au moins, ils vont voir un petit peu à qui ils ont affaire. Il faut arrêter avec ces délires-là. Les gens se font injecter un truc. Ils savent même pas ce qu'il y a dedans. C'est n'importe quoi. Les tests ne sont même pas terminés. Personne ne roulera avec une bagnole qui n'a pas passé les tests. C'est interdit. La bagnole, on ne peut même pas la vendre. Et là, c'est carrément, on en est au stade. On rentre un truc dans le corps des gens. Les gens ne savent pas ce que c'est. T'as des gens, t'as des mecs de 30 ans qui te tapent des AVC. T'as des gens qui font des crises cardiaques. T'en as, ils te font des embolies pulmonaires et tout ça. Il y a des problèmes de sang, ils l'ont dit, de thrombose et tout ça. Alors au début, c'était AstraZeneca. Non, c'est avec tous les vaccins. C'est avec tous les vaccins. Et là, c'est pareil, YouTube. Tu peux pas me dire information médicale non vérifiée. Vérifie sur Pfizer. Il y a aussi des cas de thrombose. Simplement, l'Agence européenne du médicament a décidé de ne pas ouvrir d'enquête. C'est tout. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est prendre dans les grandes villes, venir s'installer avec le matériel, les tentes, les trucs. Et on bouge plus. On bouge plus. Et on fait des actions sur place. Et puis, on part dans les centres commerciaux faire nos courses quand on a besoin tous ensemble, suffisamment nombreux pour qu'on ne soit pas refusé. Et s'ils ne veulent pas, eh ben, on ressort sans payer. Parce qu'on va, moi, je veux payer. Moi, je veux payer mes croquettes, je veux payer mes courses. Mais si vous ne voulez pas nous servir à la caisse, eh ben, on ressortira sans payer. Tant pis pour vous. Et ben on ressort sans payer. Putain, c'est un truc de ouf. T'es partout, Lou. C'est quoi ce délire? Je suis que sur YouTube et sur des lives. On est 1246 sur YouTube et on est 2600 sur des lives. Rien qu'on serait déjà ça sur le terrain, c'est déjà voilà, c'est déjà une masse à contrôler. Regardez-moi, contrôler 4000 personnes, ça, alors contrôler 50 000, c'est quand même. Il va falloir que les gens s'unissent vraiment, mais sans vraiment se poser de questions derrière là, parce que c'est pas possible sinon. Et on est beaucoup plus que ça. Là c'est rien. Là. Ce qu'il y a là, c'est rien. Là. C'est une goutte d'eau, tu vois. Il y en a combien parmi vous là? Il y en a combien parmi vous? C'est simple. Hein. C'est soit vous êtes prêt à défendre vos libertés, vous dites oui, je suis prêt à venir, je suis prêt à défendre mes libertés, je suis prêt à installer, même à lâcher mon taf le temps que les choses elles s'arrangent et tout ça. Et puis on comptera sur la solidarité sur place. C'est simple, vous répondez non, ça veut dire que vous êtes prêt à vous faire vacciner parce que il y a que ces deux alternatives. Soit on défend nos libertés, soit on va vers la vaccination obligatoire. Donc dites-moi dans les chats, oui ou clairement soyez honnête. Si c'est pas le cas, c'est non. Mais dans ces cas-là, de toute façon, si vous avez un tas, faudra le mettre de côté. Faudra le mettre de côté le temps de récupérer nos libertés. Il faut les paralyser, ces chiens-là. Il faut paralyser tout l'économie, les supermarchés, tout. Partout où on sera refusé, il faut paralyser les endroits. C'est tout, c'est pas plus compliqué, en fait. Qu'ils soient contents, qu'ils soient pas contents, j'en ai rien à carrer, moi. C'est pas mon problème. José Chouki qui dit moi, non, jamais. Va chercher ton vaccin. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que non, tu fais là? Va chercher ton vaccin. Dis-moi non jamais le vaccin, ça se trouve. Dis-moi non jamais, je me résigne. Ah, j'ai peut-être mal compris, excuse-moi. Dites-moi oui, celui qui dit non. ce qui va se passer là, ce qu'on va organiser cette semaine, c'est ce qu'on appelle des raids. Vous savez ce que c'est des raids en fait? Des raids numériques sur le 2.0. Il va falloir aller chercher les gens en fait. Ceux qui sont pas au courant qu'on est aussi, parce qu'on est plein de petits groupes comme ça, dispatchés partout, là, sur les réseaux sociaux, que ça sert à rien d'être un là, et on n'est pas content dans notre coin, et on n'est pas content dans notre coin. Ils n'attendent que ça. Il y a Liberty17 qui dit ils n'attendent que ça. Ils attendent que ça. Ils attendent que ça, quoi, qu'à un moment on dit stop et qu'on essaie de récupérer nos libertés. Ils attendent que ça. Mais on a quoi d'autre comme solution? Moi, je veux bien entendre, c'est quoi, il y a quoi d'autre comme solution? Si on fait rien, c'est la vaccination obligatoire pour tous. Si on fait rien, c'est ça. Donc, voilà, ils nous ont mis dans une situation, aux échecs, ça s'appelle justement un coup forcé, on est obligé de jouer un coup. Si on ne joue pas, de toute façon, on se fait avoir de l'autre côté. Donc, il faut faire quelque chose.
Eh ben, Fab Fizz, vous êtes ridicule, tu me dis. Allez, hop, tu dégages. C'est toi qui es ridicule maintenant. Hop, ça dégage, là. Les tartines du net, là, ça va deux minutes aussi, là. Ceux qui se prennent pour des caïds, là, sur, en USB, là, 2.0, là, ah, ça dégage. C'est bon. Ouais. Oui. La plupart des gens qui parlent comme ça, là, ils n'étaient même pas en manifestation au moment où il fallait défendre son beefsteak. Là, ils ne sont jamais sortis, les mecs. Il n'y en a jamais un qui a ouvert sa gueule et ils ouvrent leur gueule que sur Internet, là. Hein, vous étiez où, là, quand on était sur le terrain, là ? Mais ce n'est pas la question. Oui, ben, je pourrais peut-être prendre des croquettes au drive. Bah ouais, je pourrais peut-être prendre des croquettes au drive. Et quand la vaccination, elle sera obligatoire, je fais comment après ? C'est quoi ? C'est marqué dans leur rapport, là. Rappelez-vous, là, le je ne sais plus comment il s'appelle, là, quel organisme. Ils ont fait un rapport. Ils ont dit, c'est simple, ceux qui refuseront de se faire vacciner, si... tiens, Maximus, vas-y, je t'envoie le lien. Alors, attends, toi, il faut que je te l'envoie par SMS. Je te laisse un instant, Mika, je vais envoyer le lien à Maximus. Mais on va faire comment après ? Si la vaccination, elle est obligatoire pour tous. Donc là, il faut faire quelque chose maintenant. Tu reçois le lien dans un instant, Maximus. Le temps que je fasse le petit transfert et que j'aille à mon téléphone, parce que le téléphone il est dehors. Donc je te laisse un instant, Mika. Ah, vous inquiétez pas, je vais meubler, je suis compétent, c'est un peu mon taf. Il faut se rendre compte d'un truc là, c'est qu'il va falloir, alors quand je vous parlais de raid d'internet, il va falloir aller chercher en fait les gens qui sont sur Facebook et qui font les cadors depuis je sais pas combien de mois à dire ouais, moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Tous ceux qui ont 150, 300 000 personnes qui les regardent tous les jours là. Hein, tous ceux qui se prennent pour des justiciers, on va voir s'ils vont jusqu'au bout de leur détermination. Moi, j'irai au bout de ma détermination. Hein. Je l'ai dit, hein. Pour mes enfants, j'y laisserai ma vie. Il n'y a aucun souci pour ça. Hein. Et il va falloir aller chercher cela et leur dire, oh les gars, c'est maintenant là. Ce n'est pas dans deux semaines, ce n'est pas dans trois semaines, ce n'est pas dans un mois, c'est maintenant que ça commence là. Là, les hostilités sont lancées. Le dictateur a parlé. Il va falloir aller gifler des gens là. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc moi c'est hors de question que tu m'injectes un truc, ni à ma mère, ni à mon frère, ni à ma grand-mère, ni à bon, ma grand-mère est décédée, mais j'en ai plus d'ailleurs. D'ailleurs tant mieux pour elle, hein. Au moins elle n'aura pas cette peine à avoir. Pour tous les autres en fait, même pour les enfants à la rentrée là, les collégiens et les lycéens sont ciblés. Vous savez ce que ça veut dire en fait ? Ils sont ciblés en fait, ça veut dire qu'à la rentrée la propagande qu'il va y avoir dans les lycées, dans les collèges avec les infirmeries, ça va être on va essayer de persuader les parents d'aller dans le sens de la vaccination. Pour pouvoir leur dire, bah écoutez, on va atteindre une immunité collective. Une immunité collective à propos de quoi, en fait ? Explique-moi à quel moment ton truc, il est dangereux. À quel moment ? Parce qu'apparemment, il y a une nouvelle info aussi. Ah oui, comme quoi le nouveau variant passera à travers les masques maintenant. Ah bah oui, bah forcément. Oui, bah oui. C'est l'homme invisible, quoi. Il vient, il soulève ton masque, il passe en dessous, il te contamine. Les gens n'ont pas marre de se gaver de conneries, en fait. C'est un truc de fou, en fait. C'est une folie, en fait. Donc, on va aller voir si les gens, s'ils sont chauds, là, chauds bouillants, comme ils le disent depuis des mois. Ça fait je ne sais pas combien de mois qu'il y en a qui font les tétards sur Internet, là. On va aller voir. On va faire le tri dans les vrais résistants, là. Dans ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout des choses. Hein ? Moi aussi, j'attendais ce moment, je peux vous le dire. Hein. J'ai pris mon procès, j'ai fermé ma gueule, j'ai continué. Hein. Et encore, c'était pour les gilets jaunes. On ne parlait pas des enfants encore à l'époque. Hein. Je vous le dis, hein. Donc, tu touches pas mes bébés, hein, c'est hors de question, ça va pas le faire. Hein. Non, non. Là, ça y est, j'ai envoyé le lien à Maximus par SMS. C'est le dernier stade. Après, c'est quoi le stade d'après ? Bah, c'est le stade dont je vous parle depuis un bon moment, celui auquel j'ai pas envie qu'on arrive, parce que c'est très difficile. Après, c'est de devenir des parias, véritablement des parias, et de se planquer. Voilà, c'est le dernier stade, c'est celui-là. Donc, c'est soit là, on dit stop maintenant, soit on part se planquer directement maintenant. Voilà, à vous de voir. Mais Ben moi, je me cacherai pas. Hein. Je me cacherai pas. Je me barrerai pas. C'est mon pays. C'est nos terres. C'est hors de question que par la parole de quelques-uns là, un millier. Mika, tu es un ancien policier, c'est ça. Ouais. Et ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. Ça ne rentre pas absolument pas dans mon rôle de papa en fait. Là, je te parle en tant que papa en fait. En tant que déjà, je suis papa d'une gamine qui est malade déjà à cause d'une picouse. Et c'est pas la peine de me reproposer une picouse parce qu'il y a des mâchoires qui vont décoller en fait. Donc voilà, ça passe plus. Le message il passe plus en fait. Ouais, on va baiser une fois, on ne baisera pas deux. Voilà, c'est terminé. Quand je vois les cas là, hein, même l'OMS le reconnaît officiellement hein, qu'il y a des cas de thrombose et des cas de thrombose, d'AVC, de crise cardiaque. Ils le disent, putain, eux-mêmes ils le disent et les gens sont assez cons pour continuer en fait. C'est comme le médecin qui a déclaré sur les médias des streams. Ouais, alors c'est dangereux quand même, hein, les gars, mais je me suis quand même fait vacciner quoi.
Le mec te dit c'est dangereux, on n'a aucun recul, mais je me suis fait vacciner. Mais quel est ce genre d'abruti en fait? C'est ça qui peuple le pays? C'est abusé quand même, sans déconner. Ils sont où les Français là? Ils sont les Gaulois là? Il n'y en a plus de Gaulois en fait ou quoi? On les a tous castrés à la naissance. Ça s'est passé comment là? Même Raoult il a capitulé. Ouais. Même Raoult il a déjà capitulé avant la bataille lui. Ce que Raoult il a vu, il a vu le président haïtien se faire lapider, mon petit gars. Il s'est dit ah ouais, bah, pas moi. Vous avez vu le sort qu'on réserve? Le sort qu'on réserve. Ouais, non mais c'est président haïtien. Je veux dire c'est le président d'un pays quoi. C'est le mec carrément. T'es pas d'accord? Ok. Allez, c'est bon. Vous avez vu? Et c'est ça, on nous parle d'un monde là de tolérance, de liberté, de bon sens. T'es pas d'accord? Tiens, bah, dans ta tronche. Faut envoyer un commando chez lui, ils l'ont dégommé. Et c'est les Américains apparemment qui sont derrière ça. Ouais, c'est les Américains. Et je vous avais. Ça me paraîtrait pas chelou que ce soit la CIA ou une connerie comme ça. Et tu sais, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait Préparez-vous au pire. Elle doit avoir 2 semaines. Voilà, on y est. C'est parti. À partir de demain, je vais laisser plus personne me parler de vaccination, quoi. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et je vais mettre des barrières à tout le monde. Tous ceux qui viennent me casser les couilles, ça va être violent. Mais que ce soit dans la rue ou sur Internet. Hein. Je vais mettre des barrières et je vais faire du tri sur le volet. Hein. Il va rester que les vrais. Hein. Quitte à ce que je perde 10 000 abonnés, j'en ai rien à branler, moi. C'est pas ça qui m'intéresse. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. C'est absolument pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux que des vrais. Hein. Je veux que des gens qui seront devant, en première ligne, quand on y sera. Quand on sera dans le vif du sujet, je veux des gens qui sont prêts à défendre leur texte jusqu'à ce qu'ils laissent des chicots par terre. Voilà. C'est comme ça. Mais en aucun cas, je me soumettrai. C'est mort. C'est mort. Mais je le dois pour mes enfants. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est l'être humain, il est comme ça. Tu dois protéger tes gamins, tu dois protéger ta famille. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est tout. S'il faut envoyer des tartes à tour de rôle, je vais distribuer. Ils veulent striker YouTube. Ils ont qu'à striker. Le direct, il passe en même temps sur des lives. Ils strike. Rejoignez-nous sur des lives. On sera quand même encore en direct. Et on va être obligé de faire ça pour tout maintenant. Voilà, ça avait déjà commencé avant, quoi. Obligé de trouver des alternatives. Bientôt, on va devoir, comme à l'époque, les juifs en France étaient obligés de trouver des non-juifs pour pouvoir accomplir certaines tâches. Eh bien, nous, on est devenus là les juifs dans notre pays, et il va nous falloir des non-vaccinés, voilà, comme pendant la Seconde Guerre, il va nous falloir notre petit non-juif pour pouvoir accomplir certaines tâches à nos places. Ben, il va nous falloir notre vacciné pour pouvoir aller faire des courses. Voilà. On en est là, quoi. Faire des courses, un truc aussi essentiel et vital que de devoir s'acheter de la bouffe, on va nous dire. Et en plus, les restaurants. Alors, quand on parle de restaurants, c'est quoi? Tu penses que tu vas pouvoir aller à ta sandwicherie grecque? Si tu connais bien le mec, ouais, mais sinon, soit en plus, tu vas passer ta vie à bouffer des Grecs. Voilà, s'il n'y a plus que l'endroit où le dernier endroit où tu peux acheter de la bouffe, c'est la sandwicherie grecque, à passer sa vie à bouffer des Grecs. Mais c'est bon, on ne peut pas dire ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, Maximus, j'ai envoyé le lien. Je vais vérifier si je l'ai bien envoyé, d'ailleurs, parce que si ça se trouve, je me suis gouré de numéro. Je vais regarder, je reviens tout de suite. Alors, attends. Ah non, attends, c'est impossible de dire les deux chats en même temps. Vous êtes sérieux ou pas? Vous êtes combien là? 1500 et 2800. C'est impossible. Ah, je suis pas Castex, j'ai pas les yeux qui se déplacent indépendamment, moi. Attends, j'ai vu un message là, sympathique là. Mika, je t'ai vu faire demi-tour devant la police en leur disant merci. T'es sûr de ça, toi? Et tu l'as vu le chasser dans la bouche du mec de la BAC ou pas? T'étais là ou pas quand j'ai fait ça? Et quand j'ai pris mon procès, connasse, va. Y a pas quelqu'un sur YouTube pour shooter cette personne là de merde là, ces putains de trolls là, sans déconner là. T'étais là, tu l'as vu la gueule du mec à qui j'ai arraché la mâchoire ou pas là? Non, tu l'as pas vu celui-ci, non? Non, tu l'as pas vu celui-là. Hein? Ah, tu peux parler toi, connasse, va. Putain, sans déconner. Les manches-couilles de YouTube, oh la vache. Ah, c'est quelque chose quand même. Par contre, la pharmacie, pas de passe. Bah si, ça va être pareil, hein. Pharmacie et compagnie, ça va être pareil. Je suis pas un troll, Nicole. Mais si, t'es un troll, Nicole. T'es une sous-merde d'Internet, c'est tout. Tu parles me connaître. J'ai fait 20 actes, au minimum. Tout est en vidéo, alors. Un petit peu de retenue, l'ami. Non, j'ai pas de retenue pour ces connards. Nordingue, tiens, Nordingue. Toi qui vas chez les trollos aussi, là, Nordingue, là. Tu viens sucer des bites sur Internet, là. Alors, on va faire le tri tout de suite. Je suis pas sur ma chaîne, j'en ai rien à branler. Nordingue. Quand tu vas traîner chez les François Radical, sucer des teubs comme ça et parler dans le dos des gens,
T'es pas le genre de pute, le genre de collabo qu'on veut shooter, nous. Ah, je parle les gros mots là. Je reviens, j'entends pas de gros mots. Il faut dire les choses là, parce qu'il y a des gens, ils te prennent pour des têtards. Il y en a pas un qui est venu se pointer devant moi pour faire le malin là, depuis le temps là. Ils sont où les gens là? Ils sont où les bonhommes là? Il y en a pas eu un seul depuis qu'on a commencé tout ça là. Ouais, non, mais c'est le même qui était parti porter plainte contre moi, tu sais, qui jouait les caïds, qui jouait les machins et tout, puis qui joue les warriors, ouais, bon, la police. T'as de la chance que je suis pas modo sur YouTube, sur le YouTube, parce que je t'aurais fait le ménage. Elle a porté plainte contre toi aussi, d'ailleurs. Bah, vas-y, balance un message sur YouTube, je vais te foutre modo tout de suite. Non, t'inquiète, Maxime, ça arrive, vient de l'avoir au téléphone. Je connais les pseudos de raclure de chiottes, moi, sur Internet, j'ai l'habitude. Alors, je sais pas comment il va être configuré, Maximus, s'il va être remonté ou s'il va essayer de nous tempérer, je sais pas du tout. Tout ce qu'il m'a dit, c'est « j'arrive ». Ah bah oui, Maximus, c'est sûr qu'il va tempérer. C'est sûr. Alors, attends, que je te trouve sur YouTube. Où est-ce que tu es? Ah, je suis pas loin. Ok, c'est bon, je l'ai. Masquer l'utilisateur de cette chaîne, non, c'est pas ça. Allez, Nordin, tu décolles, bon. Direction ISS, ça part. Ça part de là. Ouais. S'il y a d'autres candidats là, moi je suis parti. Hein. Là, je ne suis plus dans la blague, là, j'ai pas le temps, je le dis. Non, calmez-vous, Mika, ils cherchent à vous mettre en rogne, laisse tomber leurs commentaires pourris. Non, mais ça fait 2 ans qu'ils nous polluent, les gens, là. Ils sont là, ils sont en train de te faire la morale, ils te font l'apologie de la vie. Hein. Il n'y en a pas un seul qui est venu se battre quand on était en train de se mettre sur la gueule en manif. Il n'y en a pas un seul. Ils viennent te dire, t'as fait 10 manifs, t'as fait des méthodes dans la police en disant merci. Ouais, surtout moi, j'ai une gueule à dire merci, tiens. Sûr. Non, mais moi j'entends bien les messages. Ils cherchent à nous vénérer, ils cherchent à nous mettre en colère, ils cherchent à. Ouais, mais en même temps, moi si vous avez d'autres solutions, je suis prêt à les entendre. Hein. Je suis prêt à entendre les autres solutions. S'il y a d'autres solutions, là, la dernière, hein, après ça, si se révolter, ça ne marche pas. La dernière solution après ça, c'est comme il nous l'a dit l'autre gros flambi là sur le plateau, là, le cochonou, là. La dernière solution, c'est quoi? C'est de devenir des parias. Et à ce moment-là, il va falloir reconstruire le village d'Astérix, je vous le dis. Et avec des murs autour. Hein. Parce que sinon, c'est derrière, c'est quoi? C'est comme il l'a dit, là. On va venir vous chercher, on vous vaccinera de force. Franchement, les annonces du président, les annonces de cet escroc-là d'aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est... Voilà, si les gens acceptent ça, qu'on leur annonce ça, qu'on leur dise, voilà, à partir de demain, tes libertés, elles vont être restreintes. À partir de demain, tu ne pourras plus aller faire tes courses si tu n'es pas vacciné. Mais t'inquiète pas, la vaccination, elle n'est pas obligatoire. Le pass sanitaire, lui, il est obligatoire, par contre. Mais la vaccination n'est pas obligatoire. Et pour avoir un pass sanitaire, soit tu passes un test PCR, soit tu te fais vacciner. Ah ben, on va dérembourser les tests PCR. T'en connais des gens, à chaque fois qu'ils vont vouloir aller faire leurs courses, qu'ils vont pouvoir payer 130 euros de test PCR. Et on nous dit non, c'est pas obligatoire. Moi, je veux bien. Il faut savoir que toutes les possibilités pacifiques ont été utilisées, en fait. C'est à un moment donné, le pacifisme, ça va un temps. Ensuite, c'est plus possible, en fait. Là, on te parle quand même de vouloir t'injecter un truc. Tu ne connais pas les conséquences sur le temps. Déjà, quand tu vois déjà ce qui s'est passé en 6 mois de vaccination, c'est une catastrophe, c'est un vrai désastre. C'est une hécatombe. Et là on veut te dire, OK, bah, fais-le, sinon tu ne sors plus de chez toi, en fait. Tu ne sors plus de chez toi et puis tu te soumets. Ou tu te soumets, ou tu ne sors plus de chez toi. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'aimerais en savoir ce qu'en pense le maquis. Moi, je vais te dire ce qu'en pense le maquis. Le maquis, il sera pacifique. Il sera pacifiste tout le temps. Toute sa vie, il sera pacifiste, le maquis. Je connais Vincent, c'est mon ami. Vincent, il n'ira jamais dans la violence. Parce que c'est un homme de foi. Voilà. Moi, je peux me dire aujourd'hui que l'avantage que j'ai, c'est d'être, comme on dit, hein, vulgairement, je suis athée, je peux aller boxer n'importe qui, ça ne me dérange pas, en fait. Homme, femme, il n'y a pas de problème. Voilà. Tous ceux qui voudront s'en prendre à ma famille, ça ne me posera aucun problème. Ceux qui disent ça va tout casser, c'est obligé, bah franchement j'attends de voir. Et si franchement je vois que c'est des manifestations à la on arrive à 15h et puis à 18h on rentre tous à la maison, moi c'est terminé. Je plie bagage, je ferme, c'est bon, j'aurais fait tout ce que je pouvais, le taf terminé, hop, je disparais, quoi. Je disparais et puis je deviens un paria. Je deviens un paria comme ils nous l'ont dit, comme l'autre nous le disait, je deviens un paria. C'est bon, au bout d'un moment, je veux dire, c'est subir l'inertie des autres et en arriver à ce stade. Enfin, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû dire stop. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû dire stop. Maximus, salut, ça va? Salut, ouais. Salut, salut, salut.
Salut Mika. Alors... Je t'attendais pour me canaliser, Maximus. Alors, comment tu digères, je passe à écouter les annonces, mais comment tu digères ça, Maximus? Bah, écoute, moi personnellement, de toute façon, ça faisait déjà plusieurs jours, j'étais pas très bien, mais bon, quelque part, on le sait, tout ça, ça fait que confirmer ce qu'on sait déjà. Donc, il n'y a pas spécialement besoin d'écouter Macron parler, il suffit. On est tous au courant de ce que pense Schwab, de ce que pense Soros, de ce que pensent tous ces gens-là. Donc, ça ne sert à rien d'écouter le domestique. On connaissait déjà ce que pensaient les maîtres. Donc, c'est une confirmation. Hein. Même quand il a dit qu'il n'obligerait pas à l'inoculation, on savait très bien que la possibilité de changement de discours était largement possible. On s'y attendait. Enfin, tout ça, on le sait. Je veux dire, c'est pas une surprise. C'est sûr que ça désappointe. Ça casse le moral quelque part, mais en même temps, il faut voir les choses en face. On n'a plus le choix maintenant. Maintenant, c'est un peu comme on disait à l'armée, c'est marche ou crève, quoi. Donc, il va falloir choisir maintenant. Et là, il n'y a plus le temps pour rigoler. Malgré que, si tu veux, l'anticipation, elle a plus ou moins été faite par chacun de nous ici. Bon, d'autres un petit peu plus anciens sur cette anticipation. Dont moi j'étais, bien sûr, j'ai essayé d'alerter les constituants et bien d'autres de ce qui allait arriver. Je leur disais qu'on n'avait pas le temps. Et eux, ils me disaient c'est sur le temps long. Ben voilà, la preuve, on l'a aujourd'hui, que les maîtres du temps, c'est eux, et que leur calendrier, leur agenda, eh bien, ils le font avancer, pointe à la ligne. On s'en fout de ce que pense Macron. C'est pas Macron la clé de tout ça. La clé de tout ça, elle se trouve au-dessus, bien au-dessus. C'est que le pays est déjà dans les mains de cette cabale. Voilà, point à la ligne. Ça, c'est bon, je le dis, je le répète encore, mais moi j'ai fait, t'as vu, on fait les conseils de lecture. Bon là, demain, on va en faire un autre un peu politicien, parce que moi, je te cache pas que ça me bouffe une énergie d'avoir ça dans le crâne, de voir des gens masqués, d'entendre le mot Covid, vaccination, ça m'insupporte. J'en peux plus, moi, énergétiquement. Hé, Lilou. Pardon, attends, je coupe mon micro. Ouais, j'étais en train de te dire que énergétiquement, je le paye, quoi. Ça fait très mal. Ça fait mal. Moi, j'aurais préféré, tu vois, me gourer sur toute la ligne. Pareil, ouais, évidemment, pareil. Je préférais se gourer. Puis énergétiquement, je pense que dernièrement, les gens l'ont ressenti. Je suis au bout du rouleau, là. Vraiment, je suis au bout du rouleau. Et là, aujourd'hui, c'est le coup de grâce. Donc, je sais pas, je vois que Philippot, il appelle le 15, le samedi à 15h, samedi prochain à 15h, à faire, c'est quoi, hashtag rébellion, je crois, un truc comme ça. Bon, après, moi, je suis prêt à rallier le truc, pas sous l'emblème de Philippot, mais sous l'emblème qu'il y ait des gens qui refusent ça, quoi. Exactement, et c'est pour ça que je te disais qu'il ne faut pas des fois faire la fine bouche, parce que parfois... Voilà, et on n'aura pas le choix, les lignes vont bouger, c'est une question de survie, on le sait maintenant, parce que nous savons tous que ce qu'on veut nous injecter est potentiellement un poison, on le sait. Aujourd'hui, il ne faut même plus parler d'ailleurs de crise sanitaire, on n'est même pas dans une crise sanitaire, on est dans un agenda globaliste, et tous ces globalistes qui utilisent Big Pharma. Je rappelle quand même que pour les gens qui ne le savent pas, Big Pharma a à sa tête des gens qui sont des Malthusiens et des eugénistes. Comment on peut vouloir en même temps faire du bien à l'humanité quand on est un eugéniste et un Malthusien? Il faut m'expliquer ça. C'est dissonant. D'un autre côté, on prône la réduction de l'humanité sur le globe, et en même temps, on fait croire aux gens qu'on veut les soigner. Mais comment on peut croire des imbécilités pareilles? Tu vois ce que je veux dire? Allez écouter le docteur John Ruby. Et il n'y a pas qu'elle, hein. Y en a pas mal, là, certains médecins là, qui sortent un petit peu du bois aux États-Unis. Je pense que il ne faut pas désespérer, même si quelque part ça nous affecte, ça joue sur le moral, et il faut garder le moral, quoi qu'il en soit, et c'est notre détermination qui fera la différence. Il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller, parce que dites-vous bien une chose, c'est nous les plus forts. Nous, conscientisés, on est bien plus forts qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on prenne conscience de notre force, de notre puissance. C'est tout. C'est tout le problème, il est là. C'est que les trois quarts des gens, ils vont aller se faire inoculer.
parce que ça marche au chantage. Et quand quelque chose marche au chantage, c'est mauvais signe. On ne peut pas te dire « file-moi ta voiture ou je te mets une balle dans la tête ». Ça ne marche pas. Parce que là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire un braquage. Ils sont en train de nous braquer. C'est un hold-up. Hold-up sur votre santé. Tu vois ? Donc, il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas faire décemment confiance et se ruer dans des... ne serait-ce que quand j'entends le terme vaccinodrome, mais ça fait peur. Vaccinodrome, ça fait les halles de Rungis, les halls de Rungis pour la vaccination. Comment on peut être aussi con, aussi bête, aussi niais, aussi lâche pour courir en toute confiance, se faire injecter une substance qui n'est même pas une vaccination, c'est une recombinaison génétique de votre organisme. On vous injecte un code génétique. Enfin, je ne sais pas, enfin, le Montagnier, il a quand même tiré le signal d'alarme, Violaine Guérin, même à sa manière Louis Fouché et bien d'autres. Aujourd'hui, bon, on parle de Didier Raoult. Moi, je ne sais pas ce qu'a dit concrètement Didier Raoult. Apparemment, il aurait reçu des menaces. Bon, il faut, de toutes les façons, on n'a pas le choix. Là, c'est plus on braille, on crie. Là, je crois qu'il va falloir montrer les muscles, quoi. Bah, moi, j'attends, Maximus, que tu... Moi, en fait, j'attends que tu me dises où et quand. Voilà, si tu me dis, c'est on rejoint le truc de Philippot, moi, je veux bien. Après, je rejoins pas Philippot. Je rejoins les gens qui veulent dire non et qui veulent dire stop à ça. Et j'attends de Philippot qu'avec autant de clarté que Philippe Loncard-Assac a pu le dire dans l'interview que tu as fait, qui tient la meute médiatique. Voilà, parce que Loncard-Assac, lui, il l'a dit clairement. Voilà. La finance mondiale, oui. Et ce qu'il y a derrière. Il a bien cité bien les noms. Donc on y va. Et Philippot aussi, si lui, il veut vraiment être le comment dire, s'il veut vraiment être crédible et cohérent, comme tu le dis, c'est à l'étage au-dessus qu'il faut aller taper. Il ne faut pas aller taper sur le pantin Macron. Philippot, il sait très bien comment ça se passe en haut. Peut-être qu'il a peur de le dire, lui, mais s'il le faut, qu'il nous fasse la tribune, qu'il nous fasse le machin. Et nous, on va le dire devant les gens. Qui et pourquoi et comment et par où il faut aller et ce qu'il faut refuser. Après, il faut réfléchir de manière stratégique. Moi, tu sais, quand je vais chez Philippot, d'ailleurs, ça fait un moment que je n'y suis pas allé, c'est pour voir un petit peu sonder l'état d'esprit des gens. Il y a un petit peu de tout chez Philippot. Il y a autant des gens qui pensent à peu près comme nous et d'autres qui sont un peu à l'ouest, qui croient encore à la République. Tu vois, il y a un peu les deux. Il y en a d'autres qui sont plus éveillés que d'autres. Il y a un petit peu de tout. C'est un peu une auberge espagnole, tu vois. Donc... Après, il faut reconnaître que c'est le seul qui rassemble. On n'a pas 50 milliards d'options, c'est le seul qui rassemble, c'est là où tu peux gonfler tes troupes. Parce que gilets jaunes, il faut oublier, hein, c'est pas avec les gilets jaunes décérébrés que tu vois que tu vas faire quelque chose. Quoique, avec l'annonce de ce soir, à mon avis, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se radicaliser. Il faut voir, soyons pas... attendons pour voir, il y a des choses qui vont se mettre en place. L'autre, il a dit que c'était en août que ça démarrait. Après, il y a un durcissement en septembre. Attendons pour voir. Toujours est-il, c'est que de toute façon, il faut que chacun dans sa tête soit au clair avec lui-même. Qu'est-ce que je suis prêt à faire ? La date du 14 juillet qui circule beaucoup. Alors, je ne sais pas, peut-être le 14 juillet. Pour moi, attendons pour voir, c'est attendre pour mieux sauter. Je pense qu'il faut, c'est maintenant qu'il faut dire stop. Parce que sinon, si on continue, c'est fini. Derrière, on est parti, quoi. Tu parlais des échecs. Mais parfois, quand on joue aux échecs, il ne faut pas tout de suite jouer le coup qu'on pense être le bon. Des fois, il faut observer. Et puis, il faut prendre un petit peu de temps pour dire, voyons voir, si je fais ce coup-là, qu'est-ce que l'autre il va faire en face et est-ce que je ne vais pas me faire piéger. Tu vois, il y a une espèce d'intelligence. Donc, dans un premier temps, là, on est sonné. On a pris un uppercut. Gauche-droite, on est sonné, on n'est pas bien. Il ne faut pas essayer de se ruer sur le boxeur qui vient de te cogner. Il faut prendre le temps, récupère un peu, laisse à la limite le gong, bim, fais la minute de repos et reprends après. Tu seras plus frais, tu verras mieux. Je pense que pour l'instant, on est un peu à chaud, on vient de se faire allumer, on vient de se faire défoncer. On a pris percute, gauche-droite, bon, on l'a pris, on est un peu sonné. Pour le moment, il faut attendre. La nuit porte conseil, il faut dormir et on verra dans les jours qui viennent ce qu'il est possible de faire et avec combien de personnes. Mais alors là, tout de suite, on a.
Tout de suite, on a Philippot qui appelle à la mobilisation samedi. Il y a Salim Laibi qui appelle à la mobilisation. Ok, c'est bien, il y a des appels à la mobilisation. On doit tous de notre côté faire un appel à la mobilisation par rapport à tout ça. Clairement, expliquer les tenants, les aboutissants, en fait. C'est pas mais il faut se réunir surtout, il ne faut pas que ce soit des petites manifs. Par grande ville, il faut qu'il y ait un truc, mais que, comme je disais, un truc constant, quoi. Un truc constant, quelque chose, c'est pas la manifestation de vache sacrée 15h-18h et on rentre à la maison. Hein, faut que ça tienne. Vas-y, Mika. Je voulais juste faire un petit truc vite fait. Je voulais pas. Est-ce que les gens qui disaient tout à l'heure quand tu disais je suis en déprime et tout, je suis au bout de ma vie, au bout du rouleau. C'est pas le moment de se laisser aller. C'est maintenant qu'il y a un objectif à fixer là. Parce qu'on a toujours été entre deux eaux là, parce qu'on savait pas trop ce qu'ils allaient annoncer. On était en train de virevolter là, on savait pas trop sur quel pied danser parce qu'à chaque fois c'était des déclarations différentes. Maintenant on est fixé là. On sait très bien ce qu'on a annoncé, ça s'est produit. Ce qu'on a dit, ça s'est produit. Le mec met tout en place. C'est maintenant qu'il faut se sortir les doigts et qu'il faut prendre son courage à deux mains. C'est pas maintenant je suis au bout de ma vie, je suis en panique et tout. Non, c'est pas le moment de paniquer là maintenant. Faut y aller. Hein. Faut aller dans le dur. Hein. Non mais dites-vous bien une chose, les amis. Regardez les fourmis. On est des fourmis. Et les fourmis, quand elles travaillent collectivement, elles déplacent des choses qui sont extrêmement étonnantes. Donc, faut raisonner comme des fourmis. On est stratégique. Quoi. Il y a bon, tant mieux. Salim Laibi, il appelle à la mobilisation. Et je pense que ces gens qui sont autour de Marseille doivent rejoindre et gonfler les rangs de Salim Laibi. S'il y a Philippot qui appelle à la mobilisation, parce qu'il est conscient, allez rejoindre Philippot. Et on verra ce qui se passe. Et nous autres, on verra de toute façon autour de chez nous quelles sont les mobilisations et avec qui on peut faire quoi. D'accord ? Parce que de toutes les façons, je vous le dis, les amis, quand on rentre dans un octogone, c'est pour se battre. Et là, ça y est, on va devoir rentrer dans l'octogone. Dites-vous bien que là, on va rentrer dans l'octogone. Donc là, il n'est pas question de se faire frapper et de se faire mettre KO définitivement. Là, il va falloir arracher la victoire. Hein, c'est clair et net. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment et partir tête baissée. Je reviens là, je vous quitte quelques instants. Apparemment, il y a Jim qui m'a laissé un message sur Signal. Je vais aller écouter ce qu'il me dit et je reviens tout de suite. Alors, je ne sais pas qui dit arrêtez de blablater sur YouTube. Écoute-moi bien, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas. Je vais te dire une chose, mon copain. Je ne sais pas quels sont tes hauts faits et quels sont tes faits d'armes. Donc là, tu viens parler. Moi, je ne t'ai pas vu prendre la parole publique. Je ne t'ai pas vu mouiller ta chemise. Je ne sais pas ce que tu as fait, si tu as écrit un livre ou quoi. Tu n'es rien pour moi, d'accord ? Et on n'a plus le temps avec des ectoplasmes de ton genre. Non, mais il est parti sur ISS, Maximus. Bon, il est parti. Il faut le dégager, lui, voilà. Il a décollé, ouais, t'inquiète. Non, mais ils ne sont pas intéressants, ces gens-là. C'est les gens, ils ont leur volet fermé. Ils attendent que ça se passe dehors. Et après, ils te disent « Ah, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, les gars. » Allez, c'est bon, tais-toi. 5 minutes, arrête de parler. 1000 dislikes sur Macron. Mais on s'en fout de Macron, en fait. C'est même pas lui qui tire les rênes, en fait. Il a juste lu, en fait, ce qu'on lui a demandé de lire, en fait, simplement. Macron, il a cette façon de faire où il va t'imposer des choses. Voilà. Il obéit, tout simplement. C'est pas contre eux qu'on se bat, en fait. Hein. C'est pas contre ces gens-là qu'on se bat aujourd'hui. Hein. C'est pas contre Macron qu'on se bat aujourd'hui. C'est pas ça. Hein. Non, attention. C'est contre une case bien plus haute, bien plus puissante. Hein. Ça n'a rien à voir. Macron, c'est une pine. Il a aucun charisme, il a rien, le mec, il est vide. Macron, c'est l'hologramme qu'on vous a présenté, mais en réalité, tout est déjà écrit en coulisses depuis longtemps. Et vous avez des mecs comme Schwab ou Thierry Malraux, Soros et bien d'autres qui disent très exactement dans quelle direction il faut aller. Vous avez aussi Attali, le grand oracle, Attali, qui prévoyait tous ces événements aussi. Donc vous pensez bien que Macron, c'est juste le pion qui a été posé là par les Rothschild et par Attali. Donc, ce n'est pas la peine de parler de Macron. Vous vous faites encore avoir. Vous-même, vous êtes dans le piège quand vous parlez de ça. Donc, voilà, je te laisse la parole, Mika, vas-y. Ouais, le truc à retenir, c'est pas Macron, c'est pas son discours. C'est ce qu'il en découle, en fait. C'est ce qui découle de son discours, en fait. C'est ce que les gens au-dessus de lui ont décidé de faire pour nous mettre à mal, en fait, pour essayer de nous mettre au tapis, comme dirait Maximus dans l'octogone. Parce que quand on va y rentrer, on va y rentrer et la porte, elle va se refermer derrière. Hein. Et quand on en sortira, il faudra qu'il y ait que nous qui sortons, pas les autres, hein, c'est tout, c'est comme ça. Je voulais quand même vous rappeler quand même ce qu'a déclaré ce tétard là. Hein, donc c'est pas ces trucs. Dans les collèges et lycées, des campagnes de vaccination spécifiques seront lancées à la rentrée. Je vous le redis,
les enfants, c'est le nerf de la guerre. S'il y en a qui n'ont pas encore trouvé, qui n'ont pas trouvé l'ambition ou en tout cas la force pour aller combattre, eh ben c'est maintenant, c'est pour les gamins. D'accord, c'est pour les futures générations. Ils comptent sur nous. Hein. Ils comptent pas sur Walt Disney et compagnie qui passent à la télévision. Ils s'en foutent de Mickey. Hein. Et c'est pas lui qui va les défendre. Donc c'est à nous de faire le travail. Et peu importe ce que ça nous coûtera. Hein, toi. Macron, il a dit peu importe ce que ça me coûtera, machin et tout. Ça, je m'en fous de ce que ça lui coûte à lui parce que ça lui coûte rien. Par contre, à nous, ça va nous coûter cher si on se laisse faire et si on se laisse marcher sur la gueule. Je l'ai toujours dit. Et moi, j'ai grandi en quartier, vous le savez. Quand on est une victime une fois dans sa vie, on l'est toute sa vie. Peu importe le nombre de personnes qui s'opposent à toi, si tu le rentres dedans, ils ne te considéreront jamais comme une victime. Et ça, il faut le retenir. Hein. C'est la loi de la rue, c'est comme ça. C'est l'école de la vie, pour moi, la meilleure école de la vie. Ce n'est pas l'école d'Internet ou l'école de la télévision. C'est l'école de tu ne te fais pas marcher dessus, tu casses des bouches et ensuite, après, tu te fais respecter. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et c'est peut-être violent comme discours. Hein. Mais moi, j'en suis là parce qu'on est en train de vivre un truc. C'était pas censé arriver. Hein. Ça tombe sur nous, notre génération. Bah, va falloir aller dedans, c'est tout. C'est comme ça. Enfin, les anciennes générations, ils sont battus pour ce qu'ils pouvaient. Et bah, à nous de faire le taf maintenant. Sinon, ils vont se foutre de notre gueule. Hein. Ceux qui sont partis, qui sont plus de ce monde et qui nous regardent au cas où, ils vont se dire, mais sans déconner, mais va les guignols, quoi. Va les guignols, ils sont même pas capables de tenir tête à trois pauvres pélos qui se prennent pour les maîtres du monde. C'est quoi ce délire hein. Bon, dites à Jim qu'il a ma réponse sur Signal. Voilà, s'il veut, c'est maintenant, mais pas pour parler justement de Blue Beam ou d'OVNI ou de quoi que ce soit, mais pour parler justement de ce qui se passe actuellement. Et il veut quoi ? S'il veut venir pour discuter, ah, oui, qu'on voit un petit peu la situation actuelle et quelles solutions on peut proposer. Mais voilà, les solutions, comme je dis, on n'a pas 15 000. C'est soit on dit stop et on arrive à faire quelque chose, soit on dit stop, on n'arrive pas à faire quelque chose et on devient des parias. Voilà, il n'y a pas 15 000 solutions. Il y a quand même une bonne chose dans tout ça. C'est que quelque part, ça va faire beaucoup de monde qui sera exclu. Il faut voir le bon côté des choses. Il y a déjà les soignants qui ont réagi et qui ont dit qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait. Enfin, une partie des soignants. Donc, quelque part, eux, ils sont en première ligne. Il faudrait voir un petit peu leur réaction médicale aussi, et je pense principalement aux médecins, tu vois, les médecins qui sont restés muets jusque-là pour préserver leur petite vie de notable, hein, pour ne pas se faire repérer par l'œil de Sauron, à savoir le Conseil de l'Ordre des médecins, hein, c'est-à-dire un organe maçonnique qui prétend gérer la médecine, hein, il faut dire les choses. Et maintenant, il va falloir que chacun, notable, chômeur, pauvre, érémiste ou autre, se positionne. Parce qu'il ne faut pas croire que certains vont passer à travers le radar. Ceux qui ont un boulot, ceux qui ont un pavillon, ceux qui ont acheté le dernier capture, etc. Ou qui veulent partir en vacances. Parce que j'entends des inepties, j'entends des gens qui disent « on va être obligé de faire le vaccin si on veut partir en vacances ». Ben non, parce que ça s'appelle du chantage. Ça s'appelle du chantage. Et normalement, on ne cède pas à un maître chanteur. Non, parce que ça s'appelle du chantage. Ça s'appelle du chantage. Et normalement, c'est... Ah, Alors, par contre, j'ai été obligé de couper ton micro, Jim, parce qu'on a un retour son du côté de chez toi. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre un casque ou faire quelque chose pour qu'on ait plus le retour son. Le retour son. Voilà, tu vois, quand je parle, là, il y a un retour son chez toi, donc il faudrait que tu mettes un casque, en fait. Vas-y, Maxime, je t'en prie. Oui, j'étais en train de dire que maintenant, on sait qu'on est en guerre. C'est nous qui sommes en guerre. Et je crois qu'il faut le prendre comme ça, puisque l'autre, il a dit, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. Ben, d'accord, soit. Donc, il faut maintenant observer que sont les lois de la guerre et que disent les lois de la guerre, puisque visiblement, on ne peut plus choisir de savoir si on peut avoir droit à quelque chose ou pas avoir droit à quelque chose. Je crois que, aux dernières nouvelles, le fait, par exemple, de s'emparer de quelque chose qui ne nous appartient pas s'appelle du vol. Je crois qu'un homme qui veut profiter d'une femme, alors qu'elle n'est pas consentante, ça s'appelle un viol. Donc moi, à partir du moment où je ne consens pas à me faire introduire quelque chose que je considère comme potentiellement dangereux, et à juste titre, parce que vous avez parlé évidemment des essais cliniques qui ne sont pas terminés. Et d'ailleurs, s'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi
une grande partie de cette abrutie de population de moujons français s'est précipité, alors que beaucoup savaient d'ailleurs que les phases, la phase 3, qui est la phase la plus importante, puisque c'est celle qui permet l'étude des effets secondaires, c'est-à-dire que les effets secondaires, tous ne sont pas remontés par la pharmacovigilance, il faut le savoir. Hein, il y a des choses qui sont volontairement écartées parce que les personnes en charge considèrent que ce ne sont pas des effets secondaires liés à l'inoculation. Donc, ça ne va pas. Et une question intéressante, Question. Est-ce que faire un faux vaccin avec un pharmacien anti-vax n'est pas contre-productif pour une révolution? Moi, personnellement, ma réponse, c'est oui. Après, chacun apportera sa réponse s'il le souhaite, mais pour moi, la réponse, c'est oui, c'est contre-productif parce que c'est quelque part quand même, de toute façon, déjà accepter la vaccination. Donc, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie, c'est accepter la vaccination. Ah oui, Là où ça va être intéressant de voir les choses, c'est que faut pas croire, hein. Ceux qui vont morfler le plus, c'est pas nous, en fait, au final. Hein. Nous, on va morfler parce qu'on veut nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire, comme l'inoculation du vaccin et compagnie, même sur nos gosses. Mais tous les commerces, là, qui vont se résigner à faire ce que le gouvernement leur dit de faire, ils vont subir, hein, parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, OK, basta, moi, j'y vais plus, je m'en branle, j'en ai pas besoin, c'est pas vital. Donc, tous les bistrots, toutes les boîtes de nuit, tout ça, là, ça va couler, en fait. Hein. Et ils vont pleurer, hein, parce qu'il y aura plus de subventions, c'est fini, ils sont réouverts. Il y a l'autorisation de réouverture, donc ça va se casser la gueule. Hein. Donc attendez de voir l'effet que ça va faire. Hein. Ça va faire un effet boule de neige et le château de cartes va s'effondrer tout doucement aussi pour économiquement déjà. Hein. Les gens vont se plaindre. Hein. Tous ces commerces-là vont tomber, c'est sûr et certain. 4200 sur des lives, 1800 sur YouTube. Là, on est 6000. On est 6000 au total sur ce direct. Et je vous assure que ne serait-ce que 6000 personnes au même endroit à dire non à la vaccination, ça peut déjà faire du bruit. C'est quelque chose certainement que les médias ne pourront pas ignorer. Et 6000 personnes quelque part, ça peut ensuite, en jouer des gens à nous rejoindre, justement. Donc là, c'est pas rien. Il faut que chacun mobilise de tous les côtés. Je vois Philippot est en train de se mobiliser. Salim Laibi est en train de se mobiliser. C'est bien. On est à un soir de mobilisation. C'est ce qu'il faut faire là. Oui, et puis de toutes les façons, maintenant, il va falloir aller au-delà des clivages. Gna gna gna, complotiste, pas complotiste, il va falloir sortir de tout ça. Parce que moi, j'ai toujours fustigé la République. Maintenant, s'il faut s'allier avec potentiellement un républicain pour pouvoir essayer de retourner un peu la table, il faudra le faire, point la ligne. Quand la maison brûle, tu ne regardes pas qui donne le pseudo, point la ligne. Et là, c'est en train de brûler. Voilà, je pense qu'il n'y a plus grand, il y a plus grand chose de république en France. Il n'y a plus de France, il n'y a plus de république, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais. Vous m'entendez? Si, on t'entend parfaitement. Ouais. Salut tout le monde, salut, merci de m'avoir fait monter. C'était juste pour dire. Salut, comment ça va? Bon, c'était juste pour dire, je viens de terminer un live juste avant d'une heure où j'ai dit à peu près la même chose que vous. Je pense que ce soir, quelque part, c'est la démonstration qu'il n'y a pas de complotisme, qu'il n'y a pas de conspirationnisme, qu'on n'y a que des lanceurs d'alerte qui avaient raison depuis 18 mois sur cette affaire, et qu'aujourd'hui, maintenant, il est grand temps d'avoir primo de nous donner un petit peu plus d'importance. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'on dit est à prendre avec sérieux, déjà, la première des choses. Deuxio, c'est bien entendu de laisser tomber nos petits griefs à savoir qui est alerteur et qui ne l'est pas, qui est complotiste, ça n'a absolument aucune importance. C'est que, en fait, quel que soit le lièvre qu'on a soulevé les uns derrière les autres, à savoir le graphène dans le vaccin, la 5G qui pourrait être activée, tout ça, c'est à prendre avec sérieux parce que effectivement, ce sont des hypothèses qui, à mon avis, vont se révéler exactes. Le fait qu'ils viennent ce soir de confirmer le passeport sanitaire, c'est quelque chose qu'on annonce depuis des mois. Ça va s'étendre à un passeport vaccinal. Moi, je suis convaincu que la vaccination va devenir obligatoire pour tout le monde, même si c'est totalement illégal et qu'il va falloir se battre. Et que si vous ne vous battez pas, maintenant, la mise en esclavage, elle est inéluctable parce que ce qui arrive derrière, c'est bien plus grave que ce qui a été annoncé ce soir. Ce qui arrive derrière, c'est le revenu universel, c'est l'écroulement de 90% de l'économie, le système bancaire qui va s'écrouler avec les cyberattaques qui sont programmées déjà, les pénuries alimentaires qui arrivent. Les mecs, ce qui arrive, c'est du lourd. Et là, on est en train de vivre uniquement la première étape
de ces satanistes, et c'est pas la République, hein, ça n'a rien à voir avec la République, ce sont des serviteurs du Forum économique mondial et des Rothschild, on n'est pas dans la République. Hein. Là, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, pour résister pour la suite, parce que pour la suite, je vous rappelle, il y a cyberattaque. Hein. Cyberattaque, c'est quasiment, pour mettre le système bancaire à terre, c'est, je vous la garantis à 100%. La cyberattaque mondiale, elle aura lieu, et je vous le garantis à 100%, parce que justement, comme le dit Jim, ça vient du Forum économique mondial, et comme cette pandémie, qui vient du Forum économique mondial aussi, ils avaient fait la simulation dessus, simplement pour résister à la suite, il va falloir rester en vie et en bonne santé. Et pour rester en vie en bonne santé, il ne faut pas se faire vacciner. Donc, il y a des étapes à passer là. Et les étapes, il va falloir les passer dans le bon ordre. Parce que si on se plante, c'est foutu, quoi. Et là, on est vraiment mal barré déjà. Juste deux minutes, Lou, parce que je vais devoir partir. On refera un live avec tout le monde, si tu le veux bien, pour essayer d'organiser quelque chose. Et surtout, par quel biais, par quel média, par quel réseau, il faudra quand même qu'on choisisse aussi les bons réseaux. Parce qu'il faut faire attention maintenant. On est très surveillé. Bon, enfin bref, juste pour dire que ce qui arrive, à mon avis, hein, je le vois venir, c'est une opposition entre les vaccinés qui sont très agressifs contre les non-vaccinés. C'est comme ça que je le vois. Moi, je vois un futur conflit là. Il y a une véritable division qui va s'opérer au sein des Français, et pas seulement des Français, mais on parle de la France. C'est une véritable division populaire des pro-vax et des anti-vax maintenant. Donc, il va falloir... je ne sais pas, travailler intelligemment pour ne pas rentrer dans leur piège qui est la guerre civile voulue. Hein, je veux dire, c'est clair, c'est ce qu'ils veulent. Donc, voilà, il va falloir y réfléchir. Moi, je te remercie de m'avoir fait monter. Je vous dis bonsoir à tous. On se retrouve bientôt, d'accord ? Je donne rendez-vous à tout le monde. Mais on fait un truc, ouais, bientôt. Salut. Ouais. Salut, Jim. Merci, Jim. Mais de toute façon, on a le devoir, nous, en tant que alerteur, on est là depuis un moment. On a le devoir de sortir de l'ombre et de s'imposer, en fait. On va être obligé de le faire. Enfin, pas de s'imposer en tant que leader. Je suis pas leader, je suis rien, moi. Juste porter la voix, en fait, aux gens en disant, hey, vous êtes du même avis que nous? Ok, bah, on y va. Allez, tu rentres dans le rang, là, tu te mets dans la foule et on y va ensemble. On se pose pas de questions. Et on y va et on verra ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Mais bien sûr que je vois passer dans le chat, les sondages sont faux. Bien sûr que les sondages sont faux. Bien sûr que quand on nous dit 75% de la population, j'ai entendu ça cet après-midi sur, je sais plus si c'est sur, je crois que c'était sur Europe 1, le mec disait l'opinion publique est majoritairement pour la vaccination et pour qu'on rende la vaccination obligatoire. Mais c'est pas l'opinion publique, ça. C'est 75% des lecteurs du Parisien. C'est à quelle heure ça représente l'opinion publique française? Non, mais regardez la propagande, juste après le discours de Macron, comme quoi Doctolib était plein, mais ça c'est de la merde. C'est facile de saturer un site, c'est ce qu'on appelle le DDoS, ça va tout seul. Moi aussi je te le fais, hein. J'ai une machine simple, je te DDoS n'importe quel site aujourd'hui. Je lui lance je sais pas combien de connexions et il en a pour 50 minutes d'attente. C'est super simple à faire, faut pas tomber dans le piège, c'est de la broutille, c'est de la connerie. Mais... comme par hasard, le mec a fait ses annonces et ils sont tous en train de vouloir se piquer. Et juste après, t'as un mec qui a interviewé qui dit « Non, moi, j'ai pas envie, de toute façon, je me passerai de tout ça. » Et c'est gros comme une maison. Non, non, c'est faux. Ah, mais moi, là, moi, je vous dis, là, on est à un moment charnière. C'est soit on y arrive tous ensemble, soit derrière, c'est chacun pour sa peau. Moi, c'est derrière, je pense à ma tronche aussi. Alors là, on essaye collectivement de faire le truc et on fait tout pour que ça fonctionne. Ou sinon, après, derrière, comme je vous l'ai dit, c'est chacun pour sa peau. Et donc, ce sera la même règle pour moi aussi. Donc, voilà. En tout cas, moi, ce que je pense qu'il serait intéressant de faire dans un premier temps, c'est d'éviter tout accrochage avec les inoculés. Moi, je les appelle les inoculés parce que, en fait, on leur a introduit quelque chose dans le corps, mais ils ne savent pas quoi. Vaccin, au moins, tu sais que c'est un microbe. Mais là, on ne sait pas ce qu'on leur a introduit. Donc, moi, j'appelle ça les inoculés. Déjà, on va commencer par avoir le bon vocabulaire. Ensuite, il faut bien expliquer à ces inoculés que les laboratoires P4, ce ne sont pas les non-inoculés qui en sont les responsables, ni qui travaillent dedans, ni qui fabriquent des souches virales dangereuses pour l'humanité. Parce que tout part de là. Il faut toujours revenir au point de départ. Pourquoi a-t-on construit des laboratoires P4? Parce que s'il n'y avait pas de laboratoire P4, on n'en serait pas là. Ça veut dire qu'on consacre des budgets pour trouver quelque chose qui va décimer l'humanité. Hein, ça, je pense qu'il faut, revenir en fait au constat exact. Ensuite, il y a eu un événement qui s'appelle l'Event 201. Ça aussi, il faut rappeler que nous, qui n'étions pas inoculés, n'avons rien à voir dans cette histoire. Nous ne possédons pas non plus la fortune de Bill Gates.
Nous n'avons pas fait les déclarations de M. Goetz et de M. Kissinger. D'accord, M. Kissinger nous a bien spécifié que le mouton irait tout seul à l'abattoir. Il a dit ça en 2009. On était loin de la situation. Donc, désamorcer les conflits avec les inoculés est encore possible. Mais en fait, il faudra pratiquer une forme de judo verbal, c'est-à-dire bien leur faire comprendre que nous n'y sommes pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'avons rien à voir dans l'affaire qui est la nôtre aujourd'hui et que ceux qui ont interdit les traitements, vous savez à quoi je pense, l'ivermectine, etc., ce ne sont pas nous non plus. Et qu'il faut se poser la question de comment se fait-il qu'il y a pandémie, mais que nous ne la voyons pas dans le réel, cette fameuse pandémie, et qu'elle n'existe qu'à travers la télévision, sur des plateaux de télé, où des journalistes qui ne sont ni médecins, ni spécialistes de virologie, se permettent de dire que nous sommes, nous, des potentiels parias. Il faut faire résonner le moujon inoculé. On n'a plus le choix. Sinon, on va devoir se fighter avec et ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on gonfle nos rangs. Et je pense que les trompés auront une énergie qui nous sera très utile. Donc, il faut retourner ceux qui ont été trompés et abusés, leur faire comprendre qu'ils se sont fait avoir. Et je crois qu'il faut le faire dès maintenant. Il faudra communiquer même dans les rassemblements. C'est au niveau des slogans qu'il faudra être bon pour que le message passe et éviter effectivement cette fameuse guerre civile horizontale voulue effectivement par le forum de Davos et d'autres encore. Donc ça, on le sait. Mais c'est à nous d'être malin. Il faut être malin, très malin. On n'a plus le choix. On doit être en intelligence et plus que jamais la guerre de l'information, puisque c'est pourquoi les non inoculés sont agressifs, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. On leur a caché l'information. Et ceux qui leur ont caché l'information, ce ne sont pas nous. Ce sont eux qui les ont poussés vers les vaccinodromes. Et ça, il va falloir le dire. Vous avez été trompés. Vous êtes des victimes et on compatit. Voilà. Il va falloir avoir un discours de compassion. Par contre, les amis, c'est vrai, affûtez-vous. Parce que s'il faut mettre 2-3 patates au passage avant de calmer le mec, il faut quand même être en capacité de le sécher, tu vois, s'il ne veut pas comprendre. Donc, entraînez-vous quand même, hein. Mais il faut s'entraîner, on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il faut casser 2-3 dents avant de faire comprendre que le mec a été trompé, il n'y aura pas le choix. Mais on y est pour rien. Voilà, nous n'y sommes pour rien. Nous n'avons fait aucun deal avec Big Pharma. Je rappelle que Big Pharma, c'est 6700 milliards de profits. On peut donc acheter qui on veut, comme on veut, quand on veut. C'est pas nous les lanceurs d'alerte sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça, c'est Big Pharma qui achète les hautes instances de la santé, qui achète tous les organismes de santé, qui les payent, qui les rémunèrent, qui achètent les médecins experts de la santé, et eux, ils tiennent le discours que de leur maître. C'est la voix de leur maître, c'est Pathé Marconi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est là où vous devez acquérir de la data, parce que le verbe va être très très important. Et vraiment, et les points, certes, les points, les bras vont être importants, mais le verbe va être vraiment important. Vraiment important. Il faut les couillonnats inoculés comprennent qu'ils ont été dupés. On me demande que proposez-vous à part se battre se planquer hein, à part se battre, mais j'ai envie de dire là il s'agit de nos libertés, quoi. C'est pas une question de vouloir jouer les warriors, de vouloir jouer les castagneurs. C'est nos libertés là qui sont en danger. Là, c'est nos dernières libertés. Est-ce qu'on est libre encore dans ce pays? Est-ce que moi, je suis libre de pouvoir dire non, je refuse cette vaccination et je veux ma liberté de pouvoir tomber malade si je le souhaite et d'attraper votre satané Covid? Est-ce que j'ai encore cette liberté-là? Ben non, même cette liberté-là, bientôt, elle va nous être enlevée. Donc, quelle solution à part se battre pour défendre nos libertés? Bah, si quelqu'un d'autre en a une à proposer. Salomé Pelote dans le chat, tu dis j'ai une solution. Vas-y, envoie la solution. Je vais essayer de te lire dans le chat. Si tu as une solution, envoie la solution.
Mais moi, pour l'instant, à part défendre notre liberté, là, je vois pas trop. Moi, j'ai beau vivre un petit peu coupé du monde, un petit peu en autarcie, je suis pas autonome en nourriture. Donc, ma solution, elle n'est pas valable non plus. Quoi, je veux dire. Donc, demain, je vais bien être obligé d'aller faire des courses pour manger, pour vivre. Donc, on fait comment? Si on peut pas rentrer dans les, si on peut pas rentrer dans les grandes surfaces sans être vacciné, on fait comment? Parce que là, c'est à partir du mois d'août. Il faut aller au marché. Attends, je veux dire même, ce sera qu'une solution provisoire, le marché. C'est, si demain la vaccination est obligatoire pour tous, ce sera qu'une solution provisoire. On aura des flics ou des militaires à l'entrée des marchés pour vérifier qu'on a bien un pass sanitaire. Quoi. Juste, je voulais juste dire un truc à quelqu'un dans le chat. J'ai vu Eric, c'est gentil comme tout, mais on a vu avec Lou déjà. Ne fais pas la promotion de la souscription à ma chaîne, s'il te plaît, quand on n'est pas chez moi, en fait. Juste, tu peux donner le lien de la chaîne, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je l'ai. Vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne YouTube, mais aucun truc de subvention ou quoi que ce soit quand on est en live. Surtout que là, c'est vraiment pas le moment de dire argent ou quoi, on s'en branle, en fait. Voilà, juste respecte ça parce qu'on en a déjà parlé avec Lou une fois. C'est pas fait chez moi, c'est pas fait chez lui. Juste, voilà, fais pas la promotion de souscrire chez moi. Les gens font ce qu'ils veulent quand ils sont sur ma chaîne. Mais autrement, pour l'instant, c'est absolument pas le sujet. Juste, si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Après, tu fais ce que tu veux, mais juste mets pas le lien pour la souscription. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Merci. Parce que plusieurs fois que je vois passer et j'ai pas le temps de parler. Donc Abonnez-vous chez Mika si vous voulez vous abonner chez Mika. Je vous le recommande. Il fait des très bonnes analyses aussi avec son style. Et la chaîne de Maximus Le Clément. Si vous n'avez pas vu la dernière interview qu'il a fait de Philippe Ploncard-Assac, j'ai trouvé ça honteux. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait que 2400 vues. Franchement, cette interview, elle est exceptionnelle. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez voir l'interview de Philippe Ploncard-Assac qui, lui, a trouvé qui contrôle la meute médiatique. L'enquête est terminée. Philippe Ploncard-Assac a trouvé. De toute façon, il est hors de question que la fuite. Moi, c'est hors de question que je fuis, que je me cache comme un rat. Hein. C'est mort, hein. Ça va pas du tout. Quoi. Oui, parce que jamais... d'abord, pourquoi jamais été une victime de ma vie, Maximus. Hein. Maximus, tu sais, t'habites en banlieue, toi, tu le sais. Moi, j'en viens. Ah, oui. Et jamais de ma vie, je serais une victime. J'ai jamais été une victime de ma vie. Jamais, ça va commencer maintenant. Franchement, c'était pas le moment. J'étais au bout du rouleau en ce moment. J'avais dit que j'arrêtais les directs pendant une semaine, le temps de retrouver mon calme, ma sérénité. Là, je vois même mes chiens, ils sont là. Même mes chiens, ils sont super énervés. Je leur ai transmis ma nervosité parce que c'est des éponges. Hein. Ils vivent au rythme de mes émotions. Donc là, j'ai les boules. Franchement, j'ai les boules. Et même s'il faut monter samedi, vous imaginez même pas l'organisation logistique que ça va être pour moi. En ce moment, j'ai 5 chiens. J'ai le papa de Luna et de Cheyenne, qui est le papa de Cheyenne, Kiba et Luna qui sont là. Donc même s'il faut monter samedi, pour moi ça va être je ferai l'effort de trouver une solution, mais franchement, je vous dis clairement, je suis au bout du rouleau. Et des fois, je vous dis clairement, j'ai envie de dire aux gens, je vais m'organiser pour sauver ma petite peau aussi à un moment aussi, parce qu'à un moment aussi il va bien falloir que je pense à moi. Et je sais pas, soit on trouve une solution collective ensemble, soit on fait quelque chose, mais c'est là, je vous le dis, on est à un moment charnière. À partir de début août, là, donc il l'a dit, pour le mois d'août, il va falloir le pass sanitaire pour rentrer dans les grandes surfaces. Il faut attendre de voir demain les réactions qu'il va y avoir, en fait, sur les réseaux. Parce que les réseaux, c'est très parlant, en fait. Donc, malgré qu'il y ait de la censure, là, on est à chaud, on est tous à chaud, on est tous. Je suis déterminé, là. Hein. Là, tu me mets un mec qui veut me piquer, là, je crois que j'expédie, quoi. Mais attendons demain de voir comment vont réagir les réseaux. Ça va être très, très révélateur, en fait, parce qu'à mon avis, ça ne va pas se passer aussi simplement qu'il l'a dit, l'autre. Hein. Parce qu'il a fait son discours, et si tu veux, tu ne peux pas répondre quand il parle, lui. Tu ne peux pas lui répondre. Il n'y a pas de chat pour lui dire « va te faire foutre » ou « ne fais pas chier », tu vois. Ça n'arrive pas, ça. Il n'y a pas de chat. Il parle tout seul. Il a son texte, il lit, puis il se casse. Tu vois, il va prendre son homard avec ses collègues, et puis c'est terminé. Maintenant, laissons les gens s'exprimer sur les réseaux. On va voir s'ils sont tous autant d'accord que ce qu'ils viennent d'annoncer par rapport à Doctolib et les gens qui, apparemment... Faut arrêter d'espérer qu'ils vont nous laisser systématiquement une petite porte de sortie. Je vois des gens qui disent grande surface, certainement, mais pas les supermarchés. S'ils foutent le pass sanitaire à l'entrée de restaurants et que c'est accepté, des restaurants, tu as des gens, il y a 20 personnes dedans. Ils vont te dire, dans un petit supermarché, dans une petite supérette, des fois, il y a plus de 20 personnes. Donc, pourquoi pas foutre le pass sanitaire? Non, c'est simple. C'est soit on dit stop maintenant. Tous les endroits de plus de 50 personnes. C'est pas compliqué. Soit ils grimperont une marche supplémentaire la prochaine fois.
La prochaine fois, ce sera le pass sanitaire obligatoire pour tout le monde. C'est 50 personnes. Bien sûr. C'est 50 personnes, les zones. Il y a ce qu'il dit et il y a ce qui est faisable. Déjà, dans un premier temps, quelque part, je dis que c'est bien fait pour les commerçants et c'est bien fait aussi pour les soignants. Je suis désolé, je suis un petit peu dur. Pourquoi ? Parce que les commerçants, quand il fallait se rebeller, ils sont restés dans leur poujadisme, dans leur attitude poujadiste. Et ils ont dit non, mais moi, je veux travailler, etc. Ils n'ont rien eu à foutre. Les soignants, après le déconfinement, le premier, ils ont réclamé des masques, alors que le truc était, entre guillemets, fini, bien que ce truc, pour moi, n'ait jamais existé, concrètement parlant. C'est pour ça que je l'appelle le bobard 1984. Ce truc n'a jamais existé. Alors, maintenant, ça ne sera pas viable, il faut être clair. Si tu dois compter que sur les inoculés pour faire marcher ton truc, ça va pas beaucoup marcher, il faut être honnête. Après, il y a une autre équation, une autre inconnue. L'inconnu, c'est l'armée. Il faut savoir une chose, c'est que à l'armée, ils ont beaucoup utilisé le AstraZeneca, qui avait déjà été retiré, mais ils ont quand même continué de l'utiliser. Quelle va être la réaction des militaires ? Les militaires, ils avaient fait quelques tribunes. Est-ce que leur discours va se radicaliser ? Je pense que compte tenu de ce qu'on a entendu, enfin, ce qu'on a entendu, je n'ai pas entendu, on m'a relayé les grandes lignes, enfin, de ce que l'autre, le Rothschild a dit ce soir, je pense qu'il y aura probablement une autre réaction, peut-être de l'armée, qui peut être intéressante. Pour l'instant, on est, comme disait Mika, on est à chaud, on est échaudé. Et comme l'a dit très justement encore Mika, ils vont regarder les réactions sur les réseaux sociaux, puisque c'est leur baromètre. Et si le mécontentement est assez fort, peut-être qu'il va dire, je sais pas, il y aura peut-être un changement. Mais toujours est-il que le maître du temps, c'est Schwab. Il faut se dire les choses, c'est Schwab, c'est Davos, c'est Schwab. C'est eux qui commandent, c'est eux les patrons, c'est eux qui imposent la ligne. C'est pas Macron. Véran parle, Macron parle, ce sont des domestiques. Les maîtres, c'est Schwab, c'est Davos, c'est Bilderberg, c'est eux les maîtres. Donc, pour reprendre les rênes du pays, il faut que derrière, les peuples, et je dis bien les peuples et pas le peuple, les peuples dans leur ensemble comprennent qui il faut combattre. Parce que ils le disent même dans leur protocole. Ils disent que tant que les gens ne voient pas, ne comprennent pas, ils sont à l'abri. Mais le jour que les peuples comprennent que c'est eux qui sont à la manœuvre derrière tout ça, ils savent qu'ils n'auront aucun échappatoire. C'est pour ça que la conscience, c'est important. C'est pour ça que c'est important. Ouais, bah, je sais pas, je vous avoue que moi là je suis battu, tu l'as dit Maximus tout à l'heure, là on s'est pris un gauche-droite, tu percutes, moi je suis KO debout, quoi. Encore debout, mais KO quand même, quoi. Je suis sidéré comme la dernière fois. Je m'attendais vraiment à une extension du pass vaccinal, mais de là à ce qu'ils annoncent directement les centres commerciaux, je me dis beaucoup vont aller se faire vacciner tout simplement pour pouvoir continuer à vivre. Beaucoup ne sont pas au courant qu'il y a des gens qui sont prêts à dire stop et qui sont prêts à se rebeller et à se rassembler pour ça. Donc, ce qu'il va falloir là, c'est que les prochains rassemblements soient vraiment gros et massifs, parce que et que ceux-là se disent, ben voilà, ça y est, il y a peut-être une solution qui se profile là. Je vais peut-être rejoindre ces gens qui ont décidé de taper du poing sur la table et de dire stop. Mais si c'est pas le cas, si ces petites manifestations 15h 18h, tout le monde rentre à la maison et que derrière sur les chaînes d'information, il y a 400 pèlerins ont manifesté dans la rue contre le pass vaccinal. On est mal barré. Si c'est juste ça, on est mal barré. Quand je vois en Angleterre, ils ont eu 500 000 personnes dans la rue, ils n'ont pas encore réussi à faire bouger les choses. Donc il va falloir qu'on soit bien plus nombreux. Pour le moment, c'est comme ça. C'est une partie qui est en train de se jouer. Ils ont un avantage de positionnement, ils ont des moyens plus importants, ils ont l'argent. Ils ont les services secrets, ils ont l'armée, ils ont la police, ils tiennent les gouvernements. C'est vrai. En vérité, on n'a pas beaucoup d'espoir de notre côté, mais on en a un, la Providence. Et je crois qu'il va falloir se tourner vers ça aussi un petit peu, parce que
le morceau qu'on affronte est trop gros, est beaucoup trop gros pour simplement les hommes. Hein, ça, c'est sûr et certain. Parce que eux, ils savent ce qu'ils font. Hein. C'est pas. Enfin, je veux dire, ils savent parfaitement que derrière, il y a une forme de comment dire, de sidération. On peut parler d'envoûtement, si vous voulez, mais c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc, mais il faut pas avoir peur. En tout cas, faut pas céder à la peur. Ça, c'est... La dernière fois, je vous avais cité cette phrase d'un de mes films fétiches, Fight Club. À un moment dans le film, il dit « Nous sommes la génération oubliée de l'histoire. Nous n'avons pas de grande guerre, pas de grande dépression, pas de grand combat à mener. » Et je vous avais dit « Cette phrase se trompe parce que si on a une grande guerre, il y a une grande dépression à notre époque et nous ne sommes pas la génération oubliée de l'histoire. » Mais je vais aller jusqu'au bout de cette citation de Fight Club. Maintenant, c'est à la fin, il termine donc, nous ne vivons pas de grande guerre, pas de grande dépression, pas de grand combat à mener. Notre lutte est spirituelle et je commence de plus en plus à le croire parce que là, plus je redescends en pression, plus je réussis à faire en sorte que la colère me quitte. Et vous le savez, je suis hypersensible. Donc en fait, hypersensible, vous le savez comment ça fonctionne. Je suis débordé par mes émotions. J'essaye de gérer. Je crois que j'ai fait pas mal d'efforts de ce côté-là. Mais des fois, ça m'envahit. Et c'est tout. Hein. C'est autant la colère que la tristesse. Ça peut être toutes les émotions qui me submergent. Là, maintenant que j'arrive à redescendre un petit peu, je me dis, cette phrase, en fait, peut-être qu'il avait raison. Notre grande guerre est spirituelle, il va falloir résister autrement parce que j'ai bien peur de ça. J'ai bien peur que les manifestations qu'on va voir samedi, le 14 juillet, ce soit des petits trucs. Je vois pas comment, en plus, ils ont été extrêmement stratégiques dans leur manière de fonctionner. Regarde les gilets jaunes. Regarde, je pense pas qu'on réatteindra un niveau de mobilisation comme on a pu avoir pour les gilets jaunes quand c'était sur les Champs-Élysées ou quand ça a pris l'Arc de Triomphe. Je pense pas qu'on réussira. Quand je dis ils ont été très stratégiques, c'est qu'ils ont fait justement éclater les gilets jaunes avant qu'on en arrive à cette histoire de pandémie. Et pendant 2 ans, ils ont usé les forces les plus vives, les gens les plus déterminés du pays, ils les ont usés pendant 2 ans. Et aujourd'hui que cette histoire arrive là, les gens sont usés. Les gens sont déjà usés. Et en plus, usés derrière par ces confinements, usés par cette pseudo-pandémie, usés par la restriction de nos libertés. Donc, je ne veux pas jouer les pessimistes, mais on est mal barré une fois encore, on est mal barré. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Le contexte n'est pas le même. Et pendant les gilets jaunes, il y en avait qui n'avaient pas atteint un certain niveau de compréhension. Les trois quarts pensaient que c'était une lutte de type social et qu'il fallait revendiquer plus de justice sociale, Mais excuse-moi, Maximus, de te couper. Excuse-moi de te couper, Maximus. Mais aujourd'hui, les trois quarts se sont fait vacciner et les trois quarts portaient le masque. Mais tu sais, les chiffres sur la vaccination, qui les a réellement? Qu'est-ce qu'on sait réellement de cette vaccination? On nous dit qu'il y a plus de 50% qui ont été compris la première dose. Mais oui, il y en a compris 2 doses, il y en a compris 1, il y en a qui ne veulent pas prendre le 3e. L'avenir, il n'est pas encore écrit. Moi, je ne sais pas pourquoi on est dans ce pessimisme. Moi, je ne comprends pas ce pessimisme parce que ce n'est pas parce que les forces ont été usées que d'autres forces ne peuvent pas se lever. Il y a d'autres personnes qui vont être touchées. Et puis, quand tu te retrouves avec un enfant qui a une maladie auto-immune, ou tu as perdu un conjoint, ou un frère, un père, une mère, etc., ou une grand-mère, à cause de ces histoires d'inoculation, peut-être que ça doit motiver un petit peu plus quand même. Enfin, je ne sais pas, je pense. Je l'espère que, comme tu le dis, il reste des forces vives quelque part prêtes à se lever. De toute façon, on va très rapidement le savoir. Rassemblons-nous, je vois un message dans le chat, rassemblons-nous aussi avec Monsieur Divisio, on n'en est plus aux étiquettes là. Après, par contre, comme le disait tout à l'heure Maximus, va falloir affûter le discours. Va falloir affûter le discours et va falloir comprendre que c'est bien plus haut qu'il faut taper. Déjà, va falloir aller de se prostituer chez Anounaz et compagnie, là, déjà, pour faire de. Parce que c'est des gens, ils ne t'apporteront jamais rien, en fait, si tu veux. Non, il faut. Et regarde, je viens de voir, là, il y a Richard qui a envoyé un message et en même temps, il m'en a envoyé un sur mon téléphone. En me disant que maintenant, c'est lui propose l'appel au boycott total. L'appel au boycott total, ça veut dire qu'il faut faire tomber tous ceux qui collaborent.
Ouais, lui, en plus, il a de la portée. Ça peut être une solution, ça, mais il faut vraiment que les restauration, lui, c'est... Mais tu les vois les vaccinés boycottés alors qu'ils se sont fait vacciner pour consommer. Est-ce que tu les vois les boycottés? On s'en fout. Attends. Il y a un truc qui est important. Un truc qui est important, Lou, c'est que déjà, moi, les chiffres de la vaccination, j'y crois pas. Après, c'est un truc sur lequel on est en désaccord. Moi, pour moi, il n'y a pas 30 et quelques millions, quoi. Enfin, bref, ça, encore une fois, c'est une pure invention. C'est pour motiver les gens. C'est pour te dire, vous voyez, ça marche. Les gens, ils sont contents. On faut le faire. Moi, pour moi, il y a à peine la moitié. Après, c'est que mon avis personnel. Ça fera un tri, en fait. Ça fera un tri pour savoir qui dit la vérité. Est-ce qu'ils ont dit la vérité sur le nombre de vaccinés ou est-ce qu'ils ont menti, encore une fois. On verra le nombre de gens qui boycottent, parce que je peux te garantir qu'on peut être vraiment surpris du nombre de gens qui vont pas se laisser faire et qui vont dire « Ok, tu veux plus qu'on aille en boîte, tu veux plus qu'on aille dans les pubs, tu veux plus qu'on rentre là, bah, on n'y va plus. » Par contre, qui c'est qui va chialer à la fin du mois? C'est pas... Moi, j'aurais fait des économies. Par contre, le restaurateur, il va pleurer sa mère, hein. Parce qu'il faudra qu'il paye tout ce qu'il a commandé pour la bouffe, il faudra qu'il paye ses charges, il faudra qu'il paye tout ça, et il n'aura plus de subvention de l'État. Donc on verra, on va pouvoir faire le tri de qui a dit la vérité et qui a menti jusque-là. Moi, je suis sûr qu'on peut être, vraiment, vraiment surpris. Voilà. Mais en même temps, je me dis que dans leur logique, c'est si on n'a pas le pass sanitaire, en fait, ils nous privent de la consommation. Donc tu ne peux plus voyager, c'est de la consommation, tu ne peux plus manger, c'est de la consommation, tu ne peux plus faire tes courses. Qu'est-ce que ça va leur faire qu'on les boycotte? Alors qu'à la base, c'est carrément eux qui prennent la décision de nous priver de la consommation, tu vois. Moi, il n'y a pas de problème, je suis prêt à le relayer, l'appel de Richard Boutris et Ricardo de France Soir. Je vois qu'il y en a qui ne savent pas qui c'est dans le chat. Donc je vous le dis, Richard Boutris et Ricardo du journal France Soir. Et eux, on peut dire en tout cas qu'ils ont de la portée. Ils ont une portée bien plus grande que la nôtre et que eux, s'ils passent un message, que ce soit un message au rassemblement ou un message de boycott, eux, ils ont une grande portée. Évidemment qu'on relayera et évidemment qu'on se joindra au truc. Mais quelque part, le boycott, il nous est imposé. Hein. Vas-y. Je voudrais dire quelque chose. Avec tout le respect, toute la sympathie et toute l'admiration que je peux avoir pour Richard Boutry, je suis désolé. Sa solution ne vaut rien. Je vais vous dire pourquoi elle ne vaut rien. Parce que c'est justement ce qu'ils veulent. Ils veulent un effondrement économique. Ils n'en ont rien à foutre qu'on boycotte. Le problème, c'est même pas ça. Ils s'en foutent. C'est ce qu'ils veulent, justement, que les derniers commerces s'effondrent. Et ils s'effondreront de fait. Parce que de toutes les façons, effectivement, il y aura un boycott. Donc, c'est une fausse solution. La solution, elle n'est pas là. Il faut les démasquer maintenant. Il faut monter au créneau. Il faut se radicaliser. Il faut durcir notre discours, notre méthode de fonctionnement et désigner qui sont les maîtres d'œuvre, les artisans derrière tout ça. C'est bien de dire on boycotte, mais on va faire du mal aux nôtres, en vérité. Et on va rendre service au nouvel ordre mondial en boycottant des commerces qui sont déjà moribonds. Parce que c'est très exactement ce qu'ils veulent. Schwab lui-même a dit que 86% des emplois de service disparaîtraient, seraient automatisés. C'est très exactement ce qu'ils veulent. Donc la solution de Richard Boutry, je suis désolé, mais elle ne va que rendre service encore au forum de Davos et je ne suis pas d'accord avec cette solution. Si certains veulent boycotter, qu'ils le fassent. Mais l'appel au boycott, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Il faut C'est cohérent ce que tu dis, Maximus, puisque quelque part, là, ils nous forcent au boycott. Et il ne faut pas oublier que ceux qui se sont fait inoculer l'ont fait pour pouvoir consommer. Donc, ce n'est pas eux qui vont se mettre à boycotter. Que nous, on crève la bouche ouverte, ils s'en tapent. Ils vont nous sortir comme à sortie Castex. Bah, ils avaient qu'à se faire vacciner. Voilà. Sans réfléchir à ce qu'on leur a injecté, évidemment. Il faut dire la vérité. Il faut dire ton la micro vérité. Est coupé, Mika. C'est la seule arme qu'on possède, c'est de dire la vérité, c'est de demander même à la limite une confrontation avec Macron, Véran et les chercheurs qui ont été boycottés, les professeurs Perron, les Laurent Tubiana, les Raoult, etc. Vous nous parlez d'une pandémie. Nous ne croyons pas à cette pandémie, nous, parce que nous ne sommes pas dans cette religion que vous avez imposée depuis 16 mois à tout le monde. Parce que c'est une religion. Elle existe à la télévision, sur un écran, elle n'existe pas dans le réel. Moi, j'appelle ça une religion. Donc, cette religion, il va falloir dire qu'on n'y adhère pas. Nous sommes des mécréants de cette église, d'accord? Et puisque vous dites qu'il y a donc cette religion, qu'elle existe, eh bien, nous souhaitons un débat avec les gens que vous boycottez et que vous menacez. Professeur Perron, Louis Fouché, qui d'autre? Alexandra Orion-Code, généticienne, des gens qui sont habilités à parler et qui peuvent, parce qu'ils ont la connaissance pour pouvoir démonter cette imposture, il faut qu'il y ait cette confrontation. Voilà. Moi, je suis désolé. Maintenant, je crois qu'on a assez joué avec tout ça. On a assez tourné autour du pot. Nous savons tous ici que c'est un trucage. Nous sommes dans un montage. Nous sommes dans une comédie, on le sait.
eh bien, il faut que cette comédie, elle cesse, parce que si nous continuons de valider, ne serait-ce qu'à 1% cette plaisanterie, on sera toujours tenu. Non, ça n'existe pas. Et je veux savoir comment et à combien on finance les laboratoires P4, à combien ça nous coûte, puisqu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour la recherche médicale, il n'y a pas d'argent pour les soignants, mais il y a de l'argent pour les laboratoires P4. Quelle est l'utilité pour le bien commun humain d'un laboratoire P4? Cette question, il va falloir la poser parce que c'est une question qui est en vérité. Donc, le boycott, c'est bien, on est bien d'accord, mais on ne va toujours pas à la vérité. Pourquoi un laboratoire P4? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec l'argent que d'attribuer ça à des chercheurs qui combinent des virus pour les rendre mortels pour l'homme? Mais c'est une folie totale. C'est une folie totale. Voilà, je crois qu'il faut, savoir recentrer le débat sur ce qui est exact et ce qui est conforme. Tant qu'on ne le fera pas, on s'égarera. On s'égarera, on perdra du temps, on pourra boycotter, faire du mal au petit commerçant qui n'a rien compris à ce qui se passe et qui d'ailleurs généralement est allé chercher son inoculation de bonne foi parce qu'il pense que son commerce va pouvoir tourner, alors que lui-même est dupé. Il n'a pas compris que nous sommes dans un processus de destruction. Le vortex est en train de nous avaler. Ils sont en train de tout détruire. Ils veulent redéfinir le monde tel que eux le pensent, c'est-à-dire technotronique, technomessianiste. Nous sommes de trop. Ils sont les propriétaires de la maison, en tout cas, ils se voient comme ça. Et nous sommes des indésirables, nous sommes des cafards. Ce qui va expliquer le Georgia Guidestone, il ne doit rester plus qu'un demi-milliard. Ça aussi, il va falloir en parler. Un demi-milliard d'êtres humains sur Terre. Pourquoi le Georgia Guidestone n'ont pas explosé comme les Bouddhas de Bamiyan? Pourquoi il n'y a pas eu des talibans qui ont fait sauter ces putains de pierres? C'est une attaque contre l'humanité, ces pierres de Georgia Guidestone. Donc, je suis désolé, c'est bien de dire on boycotte, mais on ne va jamais au cœur de la réalité, de tout ce qui a été rédigé bien avant que ces choses-là arrivent. Comment ça se fait qu'un type comme Attali peut se permettre de venir sur les plateaux de télévision et de nous annoncer que demain, dans le monde de demain, il y aura des hommes qui auront des puces, etc., et qu'ils seront connectés? Comment le type, il peut dire ça 20 ou 30 ans avant? Merde alors, il faut poser la question, ça c'est une question importante. Monsieur Attali, vous semblez bien connaître l'avenir, vous êtes un oracle, vous avez les clés de cet avenir. Qui vous a donné les plans de cet avenir? Je crois que c'est ça aussi. On est là en train de dire, on boycotte, on fait ci, on fait ça. Moi je veux bien, mais d'accord, mais il faut que le discours d'imposture qui a servi à tromper il y a un discours qui a servi à tromper. Il faut qu'il y ait un discours qui consiste à réveiller. Voilà, point à la ligne. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire de plus et se battre. Voilà. De toute façon, le boycott qui soit demandé ou pas, il sera naturel. On peut pas. Regarde, nous-mêmes, Maximus, on ne va pas se plier aux règles. Donc, on n'ira pas dans les restos, on n'ira pas. Donc, il va se faire naturellement le boycott. Donc, que ce soit un appel ou pas au boycott de Richard, il va se faire naturellement. Donc, de toute façon, ça va être une sélection naturelle. Hein. Ça va dégager tout de suite. Hein. Ce n'est pas nous qui allons engendrer ce boycott et cet effondrement économique. C'est qu'il est déjà prévu. Il est écrit, cet effondrement économique. Et on ne pourra pas pallier à ça, en tout cas. Donc, il faut peut-être s'occuper d'autre chose. Et je trouve que tu as raison dans ce que tu dis. Mais ce qui fait l'appel au boycott, je pense que c'est pour lui, c'est ça, c'est le premier cran qu'il a. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très spirituel, Richard. Hein. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans l'art. Il y a beaucoup de gens qui rentrent pas dans l'art. Attention, il y a beaucoup de gens qui sont nuancés, hein, qui vont te dire « je suis pour me révolter, mais pas trop ». Tu vois, voilà, c'est pareil, encore une fois, ça va être les déterminés et les tièdes, en fait. Voilà, ça va être compliqué. C'est moche, hein, c'est moche à dire, mais c'est là où tout va jouer, quoi. C'est là où on va voir les vrais gens et puis les faux, quoi. Plus je redescends en pression, là, et plus je redeviens pragmatique et je me dis que... une manifestation, d'accord, si ça se passe pas réellement de manière intensive et très nombreux, demande... à les avoir en face de nous pour pouvoir discuter avec. Et je veux dire aussi, là, on est malheureusement, on est un petit peu dans l'utopie, ça risque d'être bien compliqué. Je vais dire encore une fois aux gens, faites des réserves maintenant, là, avant le mois d'août,
avant le mois d'août, prenez un maximum de réserves possibles et on va voir la suite des choses, comment on peut résister. Mais là, clairement, je sais, Maximus, tu avais dit la dernière fois, au bout d'un moment, on ne peut pas être sur la défensive tout le temps, il faut passer à l'attaque. Mais si passer à l'attaque, ça ne marche pas, la position défensive, ce sera la seule qui nous restera. Donc faut quand même se préparer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut anticiper toutes les solutions, il faut anticiper toutes les possibilités et aussi la possibilité qu'on devienne réellement des parias, comme ça a été dit, sur une chaîne de télévision. Donc, vous le savez, les gens, là, il reste quoi 15 jours. Il reste 15 jours, en vérité, pour se préparer avant qu'on passe réellement dans la première étape d'un véritable monde dictatorial, mais bien serré, bien dur. Donc, envisageons toutes les possibilités, la possibilité qu'il puisse y avoir de grandes manifestations qui peut-être servent à quelque chose, la possibilité qu'il puisse y avoir des manifestations mais que ça ne serve strictement à rien, peut-être même la possibilité qu'il n'y ait que des toutes petites manifestations qui servent complètement à rien du tout et que derrière, faut quand même prévoir les autres alternatives. C'est-à-dire que on est aussi pris dans un piège, c'est-à-dire on va plus pouvoir certainement faire nos courses, certainement que la vaccination deviendra obligatoire derrière et qu'il va falloir trouver d'autres alternatives pour résister. Faut pas oublier que dans une guerre, quand l'envahisseur est là, c'est que la guerre a été perdue et qu'à partir du moment où la guerre a été perdue, comme la Seconde Guerre mondiale, c'est les Français qui ont déclaré la guerre, mais très vite ils ont perdu la guerre parce qu'ils n'avaient pas le même engouement que les Allemands. Les Allemands nous ont envahis et c'est à partir de ce moment-là, une fois la guerre perdue, qu'on est passé en résistance. Donc il faut aussi envisager cette possibilité-là, sans être pessimiste, sans être optimiste, en étant simplement réaliste, il faut envisager cette possibilité que demain, nous soyons obligés de rentrer en résistance parce que nous avons perdu la guerre. Et là, pour l'instant, aujourd'hui, je vous le dis, on a perdu une grosse bataille. Là. On peut voir les choses comme on veut. Moi, je te dis, j'ai rien perdu du tout. Moi, j'ai gagné en... Je suis encore plus déterminé. Pour moi, ça me renforce, au contraire. Ça me renforce dans le fait qu'il va falloir que je me batte comme un dingue pour mes gamines. Et je peux te garantir que plus je vais les regarder et plus je vais avoir envie d'y aller au taquet. Hein. Ça va être phénoménal. Alors, je te dis, ça va être... Là, j'ai passé la 2. C'était bien, c'était marrant. On a fait quelques punchlines pendant quelques mois. Là, on a mis des petites gifles verbales à certains. Là, maintenant, c'est fini. On savait très bien. On savait comment ça allait se terminer, tout ça. C'est pas faute de l'avoir dit. Moi demain, je vais mettre ce que je peux dans le fait de faire des réserves. Voilà, je vais me refaire un méga stock de croquettes, je vais essayer de me refaire un méga stock de bouffe, mais diversifier cette fois-ci. Je vais tenter d'avoir quelque chose de diversifié. Franchement, pensez-y, faites des stocks, mais pensez à diversifier vos stocks et l'alimentation. Des trucs qui se conservent évidemment, puis encore plus, vous avez la chance d'avoir un frigo, donc profitez-en, et des congélateurs, donc profitez-en, et pour ceux qui, comme moi, n'en ont pas, eh bien, prendre des trucs qui sont sur de la longue conservation, voilà. Et de l'eau aussi, voilà. Pensez à prendre de l'eau, de tout, voilà. Ça fait près de 2 ans là, que je vous dis, faites des réserves, eh bien, c'est le moment, 15 jours il nous reste là pour faire des réserves. Bon, bref, soyons pas pessimistes. Gardons la tête. Ah, mais comme je t'ai dit, Maximus, c'est pas une question de pessimisme, là, c'est une question de réalisme. Là, l'optimisme, le pessimisme n'ont rien à voir là-dedans. Tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, là, il vient de se passer un truc, tu m'as dit, tu as parlé d'échec. Là, il faut savoir redescendre, réfléchir avant de jouer et garder la tête froide, regarder ce qui va se passer. Mais en même temps, il faut anticiper. Donc pour moi, ce n'est pas du pessimisme. Ça, c'est une preuve d'intelligence que de se dire il faut envisager tous les cas de figure possibles. Oui, bon, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Mais après, chacun fera dans son milieu ce qu'il peut, tu vois ce que je veux dire, en fonction de son environnement, ce qui lui est possible de faire. Donc il faut évidemment créer des groupes, des petits groupes. Hein, il faut des groupes de 10 personnes, je pense que ça suffit, et puis essayer de se mettre en lien avec d'autres micro-groupes. En fait, il faut créer des micro-cellules qui peuvent bouger, se déplacer rapidement, soit motorisées ou pas, peu importe. Mais voilà, il y a des choses à faire. Tout est pas foutu, quoi. Je veux dire, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser pour pouvoir se déplacer sans être coincé, éviter les barrages si barrage il y a, parce que vous pensez bien que il faut faire des convois. Je
l'histoire du pass sanitaire, c'est aussi pour pouvoir nous empêcher de nous rassembler à un certain nombre. Pensez bien, ils sont. Donc c'est pour ça que c'est important de détricoter le narratif du Bobard 19. D'accord ? Il faut vraiment le détricoter parce que tant que ce narratif-là, si tu veux, dans l'esprit des gens est valide, eh bien, il y a des choses qui ne seront pas possibles parce que les gens penseront toujours que c'est qu'effectivement, il y a une réalité autour de ça. Alors que non, en fait. Donc, à partir du moment où on lève cette réalité-là et qu'on dit, voilà, la réalité, les choses sont que on ferme les lits d'hôpitaux, on ferme les services, etc. Et on s'arrange pour que l'hôpital sature pour faire croire qu'effectivement, il y a une saturation. Eh bien, à partir de là, les gens peuvent comprendre. Le Moujon, certes, j'ai vu tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait « Oui, mais les Moujons ne comprennent rien. » Non, c'est pas vrai. Arrêtez de dire ça. Si vous dites ça, c'est que vous avez déjà perdu la bataille. Pourquoi le Moujon ne comprendrait pas? Il est plus bête que vous, le Moujon. Le Moujon, dans les cas extrêmes, il va être obligé de comprendre. Rappelez-vous une chose, le dos au mur, l'impossible devient possible, l'impensable devient pensable, l'inconcevable devient concevable. Rappelez-vous de ça. Donc le Moujon, il sera devant l'impossible lui aussi. Vous croyez qu'il va rester borné dans sa tête? Mais il va mourir s'il reste borné dans sa tête. C'est à ce moment-là qu'il va être perméable. C'est tout. Je te le dis, il va mourir, parce qu'il y en a, ils vont rester bornés dans leur tête. Hein. Il y a quatre grands groupes psychologiques qui existent, et parmi ces quatre grands groupes, il y a le soumis, celui qui fait tout ce qu'on lui dit de faire et qui jamais ne réfléchit. Parmi ces quatre grands groupes, celui-là, il est foutu déjà. Donc, ils existent. Hein. J'ai bien peur qu'ils soient majoritaires. Mais si tu lui fais comprendre qu'il va être sacrifié, de toute façon, que tu te couches ou que tu te tiennes debout, tu vas être sacrifié. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer dans le déshonneur? Il va se faire sacrifier. Ouais, bien sûr, il va se faire sacrifier. Il y en a qui continueront dans le déshonneur, il y en a d'autres non. Voilà. Il y aura les deux. Dans quelle proportion, je ne sais pas, mais il y aura les deux. Excuse-moi, Mika, je coupe ton micro parce qu'en fait, quand ton micro il est ouvert, il y a des bruits parasites et on n'entend plus Maximus. Non, mais c'est parce qu'il est ultra sensible, en fait, le micro. Et pour quand Maximus dit vous créez des petites cellules et tout. N'oubliez pas qu'il y a quelques temps, avec Philippe Leroux, on avait créé la carte des membres, je vous le dis, puisqu'il y a le lien sur des lives. Ça recentre des gens, en fait, à travers toute la France. Donc, si vous voulez vous y inscrire, c'est maintenant. Ça pourra gonfler le truc, en fait. Moi, de toute façon, je vais me rapprocher de Maximus, vu que je suis pas très loin de chez Maximus. Dans mon entourage, sinon, il n'y a pas grand monde, hein, de toute façon. Si vous cherchez à trouver des gens dans votre région, il y a le Discord qu'on a mis en place il y a pratiquement un an maintenant, qui fonctionne très bien. Hein, donc, il y a de plus en plus de monde sur le Discord. Vous allez sur Discord, vous vous inscrivez, vous mettez votre numéro de département devant votre nom. En mettant votre numéro de département, en fait, ça permet au logiciel qui organise, là on a créé un truc pour organiser les gens par région, vous vous retrouvez attribué dans une région avec une couleur et les gens que vous voyez dans le même groupe que vous, c'est les gens qui sont dans votre région, pas nécessairement dans votre département. Alors regardez aussi dans les régions voisines, parce que des fois il y a des gens qui sont plus proches de vous, de la région voisine que de votre propre région, mais ça permet de prendre contact et d'organiser des petits groupes comme l'a dit Maximus, d'au moins une dizaine de personnes. Et je pense que oui, il va falloir devenir mobile, il va falloir créer des convois, comme le disait Maximus, il va falloir être motorisé. Quand on se déplace, il va falloir se déplacer à plusieurs et se trouver des points de chute comme celui qui est en train de mettre en place Monsieur K. Voilà, Monsieur K est en train de mettre en place un endroit qui s'appelle Le Repère. Une fois que ce sera mis en place, de toute façon, on va vous tenir au courant régulièrement sur cet endroit et il va falloir qu'il y ait de plus en plus d'endroits comme ça à travers la France, c'est-à-dire ce que je disais en début de direct, c'est des petits villages gaulois. Des petits villages gaulois qu'il va falloir recréer, où on va pouvoir être entre nous pour s'organiser à résister et pour résister aussi, et être entre nous non vaccinés, mais s'il y a aussi des vaccinés qui veulent rejoindre le truc, évidemment qu'ils ne sont pas exclus. Et si c'est maintenant qu'ils ont bien compris ce qui est en train de se passer, j'ai envie de dire, quoi, parce que c'est des solutions, voilà, c'est ça. Et je pense que celle-là, ça, c'est une solution viable dans la résistance, en tout cas. C'est une solution viable et valable, c'est de devenir mobile, de devenir des nomades dans notre propre pays et de reconstruire des petits villages gaulois où on va pouvoir se déplacer, desquels on va pouvoir se déplacer les uns aux autres
à travers le pays et jamais se déplacer seul, évidemment, parce que si on en arrive à la vaccination obligatoire et qu'il y a des contrôles sur les routes et que bah il va falloir être nombreux pour pouvoir passer ces barrages et réussir par le nombre à imposer notre passage. Alors attendez, parce que pour la carte des membres, alors oui, donc vous êtes en train de filer tous votre département. Envoyez un mail à Gâteau Locaux, sinon ça sert à rien d'écrire dans le chat, il va pas pouvoir tout. En fait, la carte des membres, elle a été mise en place dans ce cas de situation là, en fait, qui se passe là, c'est-à-dire pouvoir se retrouver, s'organiser en petits groupes, en grands groupes, peu importe, hein, si vous êtes proche. Hein. Et la carte des membres, elle compte déjà, je sais plus, 150 ou 200 personnes, je sais plus, ça commence à prendre de l'ampleur. Tu donnes pas d'information personnelle, mais ne donne pas ton numéro. Tu donnes juste ton pseudo. Et ta ville, c'est tout, voilà, terminé, et ton mail, comme ça, au moins, s'il y a besoin, des gens ont besoin de se contacter, ils se contactent, mais ils n'ont pas besoin de connaître l'information personnelle des gens, on s'en fout de ça. Et juste envoyer le mail, ça ne sert à rien d'écrire dans le chat votre département, ça n'avancera rien, il faut le donner à... Il y a le mail, il y a Gâteau Locaux qui écrit, ou il y a Eric qui écrit dans le truc, la carte des membres, il vous donne le mail de Gâteau Locaux, vous prenez son mail, vous lui envoyez votre département, et il vous ajoutera sur la carte, tout simplement. Et vous gardez le lien de la carte, et vous pouvez voir à quel moment, qui approche de chez vous, en fait. C'est fait pour ça, ce genre de carte, en fait. Ouais, je vous dis, dans l'onglet About, il y a le Discord, la tanière, c'est pareil, vous bien rentrez sûr, dessus, voilà. Vous mettez votre numéro de département devant, et c'est dès ce soir que vous allez savoir qui est proche de vous et qui est loin de vous. Et en plus de ça, il y a le vocal, vous pouvez discuter entre vous, et en plus, vous pouvez discuter entre vous en privé. Donc voilà, rapprochez-vous des gens de votre région, essayez de discuter avec les gens, voyez comment vous pouvez vous regrouper, faire connaissance, vous pouvez faire connaissance en vocal en plus avant pour savoir un petit peu à qui vous avez affaire. Donc n'hésitez pas à vous rejoindre sur le Discord, on va encore utiliser les outils qui nous restent à notre disposition pour l'instant pour s'organiser et par la suite on verra. Voilà, la résistance aussi après ça va devenir de plus en plus de l'improvisation, je pense. Bah, ça va être un peu freestyle au début. Hein. Personne n'a été préparé à ça, en fait. Enfin, préparé, en tout cas, à s'organiser là-dessus. La Rochelle, c'est côté de l'île de Ré. La Rochelle, vous avez la chance d'être beaucoup en Charente, c'est magnifique. Il y a Belgique, Suisse sur le Discord, il y a les expatriés, tous les groupes ont été organisés. Vous regardez quand vous arrivez, vous allez être accueillis, vous dites d'où vous venez et puis si vous êtes en Belgique, on va vous dire quoi mettre devant le nom, je crois que c'est BE qu'il faut mettre. Pour les Suisses, je sais plus ce qu'ils mettent devant, mais voilà, tout c'est organisé sur le Discord, ne vous inquiétez pas, tout est organisé et il y aura des gens pour vous accueillir à l'écrit. Et ensuite, même dans le vocal, il y aura des gens pour vous accueillir. Je sais pas, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir là sur les annonces qui ont été faites. Je vais essayer de redescendre aussi en pression. Je vais essayer de garder de la batterie aussi pour demain, parce que demain on a le conseil de lecture de Maximus à 14h30 sur cette chaîne. Donc, Mika, si tu as un dernier mot, un dernier truc à ajouter pour ce soir. Non, je vais enchaîner sur ma chaîne en fait, parce que je vais continuer. J'ai pas fait le tour de tout ce que je voulais dire, donc. Je vais enchaîner sur tout ce qui a été dit. Mais sinon, c'était déjà très bien. Mais ça marche. Laissons parler les réseaux sociaux, en fait. Hein, je pense déjà demain. On va voir ça. Mais je suis franchement, le coup des gamins, ça ne va pas le faire. En fait. Je vous dis honnêtement, c'est le reste, j'en ai rien à carrer. Hein. Franchement, que les gens aient canné avec leur vaccin, c'est bon, c'est fini maintenant. Je n'ai pas le temps de parler avec eux. Observons déjà dans un premier temps, comme l'a dit Maximus, observons ce qui s'organise, ce qui se fait, les réactions qu'il y a par rapport à ça. Observons et on verra ensuite. On vous tiendra au courant de toute façon sur les décisions qui sont prises, s'il y a des rassemblements, s'il y a... On continue de toute façon avec Monsieur K, il va vous tenir informé pour le repère aussi. N'hésitez pas à aller sur le Discord, vous inscrire. Le Discord, c'est le lien, il vient d'arriver dans le chat. Là, il y a quelqu'un qui demande sur des lives, quel Discord? Tu regardes en dessous, il y a Sayaweska qui vient de mettre un message en majuscule. Retrouvez-nous sur Discord grâce à vos numéros de département devant le pseudo. Et tu as le lien vers Discord pour pouvoir rejoindre ça. Bah ouais, ça fait heureusement qu'on a anticipé un petit peu les choses, justement, qu'on a commencé à s'organiser avant que tout ça n'arrive, parce que là ce soir, pour moi, on vient de passer une bonne marche, quoi. On vient de passer une bonne marche sur la dictature qui est en train d'être mise en place. Là, on vient de gravir une très bonne marche. Si on peut plus rentrer dans les grandes surfaces
En plus, j'ai lu, je vous ai montré un article hein, il y a deux jours, comme quoi les responsables des grandes surfaces s'engageaient à faire respecter le pass sanitaire si jamais il devait être mis en place. Ah là, eux, ils collaborent direct. Hein. Donc, des agents de sécurité à l'entrée des magasins qui seront là pour vous demander de scanner votre QR code, il y en aura certainement. Et un scanner de QR code, c'est rien d'autre qu'un téléphone portable. Donc, au niveau du matériel, je vous assure, il y a pas grand-chose à mettre en place. S'ils ont réussi à mettre en place des terminales de paiement partout dans tous les endroits de France, ils sont capables de mettre en place aussi un petit appareil style téléphone portable qui va vérifier les QR codes. Maximus, derrière, Mika, il va continuer sur sa chaîne. Donc, c'est sur la chaîne On va pas se mentir. C'est vrai que tu as oublié la négation. On va pas se mentir. Je mets le lien dans le chat là pour ceux qui veulent venir là après. Je vais faire un petit truc, je vais rester une bonne heure et demie encore, je pense. Parce que en fait, c'est loin d'être fini tout ça là. Il va vraiment falloir comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui va arriver par la suite. Je crois que les gens n'en ont pas conscience en fait réellement. Je crois qu'il y en a encore certains qui étaient dans un jeu, tu sais, dans une série télé, tu sais, plus les épisodes passent, plus on se dit ouais, bah il va y avoir un retournement de situation, il va y avoir un truc, tu vois. En fait, non, du tout. Quoi. Voilà. Rejoignez Mika sur sa chaîne après. Il y a le lien qui est passé dans le chat sur des lives sur YouTube. Sinon, vous tapez tout simplement On va pas se mentir sans le nœud. Hein, c'est pas On ne va pas se mentir, c'est On va pas se mentir. Parce que moi, à chaque fois, je me trompe quand je cherche. Et donc, vous pouvez retrouver Mika sur sa chaîne tout de suite après. Et Maximus, si tu as un dernier mot à ajouter à tout ce qui a été dit ce soir. Là. Tout simplement, déjà, on ne va pas se laisser gagner par la peur, déjà, dans un premier temps. Nous sommes résilients. Nous sommes articulés sur des principes. La question est de savoir maintenant comment tu veux vivre, à genoux ou debout. C'est cette question auquel il faut que chacun de nous réponde. Et puis, on peut avoir des alliés inattendus. Donc, soyons pas trop pessimistes. Le peuple, il a une certaine capacité de mobilisation, ça on le sait. Il peut effectivement s'agiter, s'organiser, entrer en résistance. Mais n'oublions jamais que nous ne sommes pas spécialement des... Voilà, nous ne sommes pas aguerris à faire la guerre. Ce n'est pas notre métier. Il y a des gens qui se pensent, c'est le métier. C'est peut-être de là que certaines choses vont venir. Pour le moment, nous, tout ce qu'on a à faire dans un premier temps, c'est de bien s'organiser, je crois, et de faire ce qu'il faut. Je pense qu'il ne faut pas être trop catégorique avec les moujons. Certains moujons vous étonneront et d'autres vous décevront. Et vous voyez, même dans les familles, ça se fragmente, ça se fracture. Moi, j'entends des histoires de fous hein, avec les familles. Mais on est sur un cycle qui est en train de changer. Nous sommes dans une nouvelle ère. Je vous ai parlé... il y a un mois de ça, je crois, ou trois semaines, de la fréquence de Schumann, la Terre entre en résonance et sa fréquence est en train de monter de plus en plus. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose sur un plan supérieur. Donc, la résonance de Schumann, on doit être autour de 16 ou 17 MHz. C'est bien au-delà des 13 réglementaires. Donc, la fréquence monte. Donc, forcément, il y a un niveau d'éveil pour les uns et puis il y en a d'autres qui resteront dans le bas astral. On ne pourra pas sauver tout le monde, ça on le sait. Mais peut-être que la Terre a besoin, enfin la Terre, la création, a peut-être besoin de cet auto-nettoyage et qu'il va falloir l'admettre, tout simplement. Mais je suis persuadé que nous restons les plus forts. Nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus forts. Et en vérité, ils ne peuvent rien sans nous, quelque part. Même s'ils pensent intelligence artificielle, transhumanisme, post-humanité, etc. Même s'ils pensent à tout ça, ça reste des délires, ça reste des chimères. Ils jouent avec quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est l'ADN. L'ADN est sacré. On ne touche pas à l'ADN comme on ne touche pas les glandes pinéales, urogénitales et la thyroïde. On ne touche pas à ces glandes parce qu'en général, on dérègle quelque chose là-dessus. Ben, c'est très exactement ce qu'ils veulent faire avec leurs projets comme le dérèglement du climat, ils se servent aussi du climat pour nous affaiblir. Eh bien, en vérité, ils essayent de manipuler des forces dont en réalité ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Donc soyez confiants quelque part. Ils mentent. Vous voyez, et tant qu'ils mentent, c'est qu'ils ont des faiblesses. Voilà. Personne, nobody.
Laisse tomber. J'en étais sûr que tu allais bugger sur ce message. tu n'es qu'un algorithme. Voilà, tu n'es qu'un algorithme pour moi. Tu n'es rien de plus qu'un algorithme. Voilà, non, mais c'est pas une histoire de New Age. Hein. C'est une histoire d'équilibre, tout simplement. Quand on provoque un déséquilibre, et surtout quand on joue avec la nature, sachez que la nature reprend toujours, toujours son équilibre. Et quoi que ce soit, l'équilibre se remet toujours. Donc là, oui, en effet, ils sont en train de provoquer un déséquilibre. On ne sait pas combien de temps durera ce déséquilibre. On ne sait pas jusqu'où il ira. Mais au bout d'un moment, un moment ou un autre, peut-être qu'on sera encore là pour le voir, les choses reprendront leur équilibre, ça c'est une certitude. Je vous le dis en vérité, les amis, n'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur de ça. De toute façon, peur ou pas peur, on y passera tous. Hein. On n'est pas encore justement... À partir du moment où la mort fait partie de ton futur et que tu l'acceptes, tu crains plus rien en fait. Tu peux y aller tranquille, c'est fait, c'est réglé quoi, l'histoire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut arrêter d'être hypocondriaque et se trouver toutes les misères du monde. Il y a bien pire que nous. Quoi. Moi, je devais vous faire une diffusion ce soir sur des lives, sur un sujet qui n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler ce soir. C'était sur les hypersensibles et haut potentiel. Je pense que je vais la faire quand même, la diffusion. Donc, je vous préviens, c'est pas un direct, c'est une diffusion que je vais faire. Ce sera une diffusion en direct, bien sûr, par contre. Et comme ça, moi, ça me permettra de redescendre un petit peu aussi et puis de parler peut-être un peu avec vous dans le chat. Voilà. Pour ce soir, ouais, sinon il y a Mika qui lance son direct sur sa chaîne pour ceux qui veulent continuer sur ces sujets. Et puis je vous remercie, Maximus, Mika, d'être passé ce soir. Et, j'ai vu que ce soir, ça a quand même beaucoup réagi hein, sur les réseaux sociaux. Ça a réagi du côté de Richard Boutry en ce soir, ça a réagi du côté de Philippot, ça a réagi du côté de Salim Laibi. J'ai vu Aldostérone aussi tout à l'heure qui a publié une vidéo là-dessus aussi. Donc ça a réagi en tout cas sur les réseaux sociaux et sur au niveau des alerteurs entre guillemets, ça réagit pas mal. Donc affaire à suivre. Et puis de toute façon, nous on se retrouve de toute façon demain 14h30 pour en direct pour les conseils de lecture de Maximus Le Clément. Voilà. Et nous au café demain matin en forme les gens, prenez une bonne grosse tasse, un pichet là, parce que ça va pas être l'heure de dormir, voilà. La diffusion aura lieu sur des lives ce soir. Je la fais pas sur YouTube, ce sera exclusivement sur des lives. Donc je vous mets le lien vers la chaîne des lives dans le chat. Et moi ça va me permettre de, comme je vous dis, de redescendre un peu. Et puis pour ceux qui ont envie de redescendre un peu en pression aussi, eh bien venez regarder cette diffusion que j'espère vous n'aurez pas déjà vue, parce que c'est une vidéo qui a pas mal circulé quand même. Donc voilà. Eh ben Maximus, merci, à demain. Mika, merci, à bientôt. Et je vous souhaite merci une bonne toi. Soirée à tous. Et merci, puis on, merci à toi. On se retrouve. Salutations à Mika, bien sûr. La Mika. L'ami Mika. L'amicale. Et puis quand tu veux, d'ailleurs, un live sur les morts stupides. Putain, faut qu'on le fasse. Et tu sais que bientôt on va pouvoir faire 12 lives comme ça d'affilée. Vous voulez dire comme se faire vacciner, par exemple? Ouais, voilà, ouais. Donc on va avoir matière bientôt, Maximus. Il n'aura même pas besoin d'aller chercher les archives. Parce que les archives vont se créer toutes seules, en fait. C'est très con, mais c'est la vérité. C'est malheureux. Mais oui, avec grand plaisir, on pourra se faire un live détente, bien sûr, entre. Voilà, là, je vais m'énerver encore après, là, parce que je suis vraiment énervé, donc je vais m'énerver encore un petit peu, une bonne heure. Et ensuite, demain, ce sera un autre jour. Voilà. Simplement. Je crois que plus les temps sont tragiques, et plus je pense qu'il va falloir apprendre à rire. Un peu comme faisaient les Spartiates. Ils riaient quand ils partaient au massacre. Je pense que peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faudra s'inspirer, peut-être. Je ne sais pas. Ah ouais, mais dans le futur, il va falloir avoir de l'humour, c'est sûr. Hein, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, là. Sans humour, là, c'est la fin de tout. Hein. Il va falloir se marrer de ce qui nous arrive, c'est sûr. Bon, allez, mec, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Comme je vous dis, Amika qui prolonge sur sa chaîne. Ouais, je prolonge merci sur des lives et YouTube, hein, voilà, pour les gens qui m'ont demandé sur les deux. Voilà. Au cas où, si on se fait shooter, au cas où, parce qu'à mon avis, ça va être violent. Voilà. Et moi, je vous fais une diffusion d'ici un petit quart d'heure là sur des lives. Un petit quart d'heure, 20 minutes, je pense. Ouais, Maximus, vous voulez rajouter un peu. Oui, si vous avez faim, mangez un le chypre. Ça devrait vous caler.
Voilà, t'es calé pour. Ouais, c'est vrai que là, au niveau réserve, t'es calé pour un bon moment. Là. Et surtout, ne vous faites pas manger par le Chypre. Parce que et si vous croisez un mec à Décathlon en train d'essayer des palmes avec les mains, allez le voir, c'est certainement Maximus. Et tu sais, j'avais un mot avec la spiritualité quand tu disais spiritualité tout à l'heure. Je vais tenter, si un jour je dois gifler quelqu'un, je lui demanderai comment il a ressenti ma spiritualité ou pas. Quand il m'aura poussé à bout, en fait, dans mon retranchement. Je lui dirai, tu l'as senti ma spiritualité ou pas? C'est quoi ton ressenti aujourd'hui de la spiritualité que je t'ai montré, en fait? Maximus, qui est aussi l'inventeur de la batte à bulle, hein. Si vous ne connaissez pas la batte à bulle, c'est une invention, Maximus Le Clément, c'est breveté. Donc, la batte à bulle, c'est comment pouvoir défoncer le mec que tu as en face en essayant de conserver un petit peu son intégrité quand même. Ah, c'est génial. C'est un truc de ouf. Ok, je vous remercie les gars. Laissez-moi 2 minutes pour lancer mon truc quand même. Hein. Vous savez que ça se fait pas en 2 secondes. 2 minutes, je lance ça et puis voilà. Ça marche. Allez, bonne soirée, Maxime. De toute façon, on se refait un truc tous ensemble, comme a dit Jim. On refait une situation dans la semaine. On essaie de caler un truc dans la semaine pour refaire le bilan et tout. On laisse quelque chose passer et on se fait un truc. Okay. Ça marche, on fait comme ça. Maximus, nous on se retrouve demain 14h30. Okay. Et on parlera de. On va parler d'un autre menteur. On va parler d'un menteur qui revient, c'est Monsieur Valls. On va parler du bouquin Le vrai visage de Manuel Valls, et ça tombe bien de parler de lui parce qu'en fait il est en train de subir exactement la même technique qu'on nous a fait avec Roselyne Bachelot. C'est que le mec, on va lui refaire une petite santé dans les médias, le rendre cool, il va faire des blagues et tout, il va nous faire rigoler, on va le retrouver chez Hanouna et tout, et puis ensuite derrière ils vont nous le refoutre en politique, exactement comme ils ont fait avec Roselyne Bachelot et puis comme ils ont fait avec d'autres. Il a prévu un parc Astérix avec McFly et Carlito. Ouais, certainement. Tu vois. On va le voir dans toutes les émissions bidon, on va le retrouver, les gars, c'est sûr. Allez, à tout à l'heure sur des lives et à demain, Maximus. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée, que Dieu vous garde, les amis. N'ayez pas peur. Salut, Maximus. Pour vous, nous sommes malades, dérangés. Une menace intolérable pour la société. Mais en vérité, vous avez peur de nous. Alors vous nous abrutissez, vous nous enfermez. Mais la vraie prison, ce sont vos mensonges. Ils forment un mur invisible. Ce sont les chaînes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais tout ça, c'est terminé. Nous allons reconquérir notre liberté. Nous sommes nombreux, bien plus que vous ne croyez. Nous vivons parmi vous, juste sous votre nez, dans vos bureaux, dans vos quartiers, dans vos familles. Et que vous le vouliez ou non, nous allons vous ouvrir les yeux. Ensemble. Car en vérité, toi aussi, tu es l'un d'entre nous. Tu ne le sais pas encore, c'est tout.